Salut tout le monde et bienvenue Boxing Mag TV de retour, votre chaîne de la boxe, les sports de combat et les arts martiaux. Aujourd'hui, on a invité un lourd invité, un champion, une star, 2-3 fois champion d'Europe, 2 fois champion du monde. J'ai eu l'occasion de le rencontrer dans un stage, dans des événements sportifs, même dans son propre combat où j'ai pu filmer carrément entièrement son combat. C'est un boxeur modeste, mais c'est un grand boxeur, notre ami Brice Guidon, qui sera présent ce soir avec... Brice, bonsoir et bienvenue à Boxing Mag TV. Bonsoir, enchanté, merci pour l'invitation et bonjour à tout le monde. Et tu seras accompagné par notre ami Najid El-Béja. Bonsoir, bonsoir à tous. Il est partout. Najid, tu connais très bien Brice Guidon, il a déjà boxé dans son gala, il s'est même entraîné avec lui. Mais avant bien de sûr, commencer ouais. L'émission, je vais faire un petit passage, on voit un petit peu, brièvement, un peu le parcours avec quelques photos de Brice Guidon. À tout de suite. Une très belle photo à la fin, Brice. Voilà, c'est ça. La raison de ma pseudo-retraite. Les enfants. Impeccable. Brice Guidon, un champion du K1 Rules, un champion qui a fait plusieurs choses, un mordu du Muay Thai, mais il n'a pas fait que ça, puisqu'il a fait aussi du karaté Kyokushinkai, du rugby, tous les sports où il y a l'opposition, où il y a la castagne, on va dire, peut-être. Avant de commencer l'émission, je passe la parole à Brice pour présenter encore pour le public de Boxing Mag TV. À toi, mon ami. Oui, bonjour tout le monde. Brice Guidon. Je suis boxeur professionnel à la retraite. Évidemment, quand on m'appelle pour des beaux événements comme ça, je suis obligé de répondre présent. Voilà, évidemment, une retraite, toujours, ça se casse, mais c'est juste un one-shot. Vraiment juste pour se faire plaisir et s'affronter une légende là. Et sinon, je suis vraiment à la retraite. De toute façon, je le vois, là, rien qu'en calant l'entraînement, je sais pourquoi je suis à la retraite, parce que là, c'est un casse-tête de pouvoir s'entraîner maintenant. Donc, pour la présentation, j'ai commencé la boxe à 10 ans. D'abord, boxe française, kickboxing, puis enfin la boxe thaï. Et j'ai vu que j'avais quand même des aptitudes, que j'avais un gabarit pour les lourds. Et donc, moi, je regardais deux choses à la télé. Je regardais les galas de Canal+, le Muay Thai, dans l'anniversaire du roi, etc. Ça, dès que Canal+ diffusait ça, j'avais l'autorisation de ne pas me coucher et je regardais ça. Et ensuite, le K1 au Japon. C'est vraiment les deux choses qui me faisaient rêver et j'ai eu la chance de vivre les deux choses. Donc voilà, une fois que j'ai décidé d'en faire mon métier, je suis parti aux Pays-Bas. Parce que par exemple, sur les 14 finales annuelles du K1 Grand Prix, tu en as 11 ou 12 pour les Pays-Bas. C'est quand même énorme. Et même ceux qui ont gagné, ils s'entraînaient aux Pays-Bas. Ils n'étaient pas forcément néerlandais, mais ils s'entraînaient là-bas. Donc, c'était vraiment pour les poids lourds. Et le K1, c'était la Mecque, les Pays-Bas. Donc, j'ai débarqué au Mijirojim Amsterdam, le club de Rob Kaman, pour ceux qui connaissent, etc. André Manart, Rémi Bouniewski. Je suis arrivé là-bas à mes 18 ans. C'est pour ça que j'ai coupé, pas beaucoup boxé en France au début, parce que je boxais uniquement aux Pays-Bas. Et puis après, au fil du temps, la professionnalisation de ma carrière, j'ai commencé à faire des galas internationaux, notamment boxer en France, le K1 Marseille. J'ai été finaliste du K1 Marseille en France pour quasiment mes premiers combats pro. Donc, c'était déjà une grosse performance d'arriver en finale. Et ça correspondait au moment où Rémi Bouniewski quittait le Mijirojim. Et
Du coup, Jérôme Le Banner, vu que j'étais plus l'entraîneur, enfin le sparring partner de son concurrent, d'un concurrent du K1, Jérôme Le Banner m'a appelé. Voilà, il m'a appelé pour participer à ses camps d'entraînement, tout ça. Le feeling est super bien passé. Et puis, ben, Jérôme, c'est mon frère de guerre. On est ensemble. Donc, voilà, ça s'est super bien passé. Et puis voilà, on s'est entraîné des années ensemble. Je l'ai toujours accompagné au Japon quand il boxait pour être dans son coin. Lui, il venait avec moi quand je boxais pour qu'il soit dans mon coin aussi. Donc voilà, on a fait une belle carrière comme ça. J'ai boxé au K1 au Japon, le fait d'armes, c'est d'avoir battu Rico Verhoeven quand lui commençait, évidemment. Justement, on va parler de ça. On va parler que au K1 Tokyo, c'est un beau truc. Suite à cette victoire, en plus, on m'a appelé. Tu me vois de Bouzidi et je dis Gerges. Voilà, beaucoup ne savent pas que tu as battu Rico, bien sûr. C'était il y a 10 ans. Donc voilà, oui, mais bien sûr, lui, on était déjà professionnels tous les deux. Et puis, non seulement je l'ai battu, mais j'ai surtout surclassé. C'est ça qui était kiffant. C'est sûr que aujourd'hui, c'est forcément différent. Mais c'était le petit fait d'armes qui fait plaisir. Après, du coup, j'ai boxé Saki, j'ai boxé Shield, j'ai boxé Guita. Enfin, j'ai eu la chance de boxer tous les grands noms. J'en ai battu certains. Malheureusement, j'ai perdu contre d'autres. Et puis, c'est ce qui me fait un peu presque préjudice maintenant. Enfin, c'est vraiment, je suis fier de ma carrière et tout ça. Mais forcément, j'ai boxé tous les meilleurs. Donc, forcément, perdu contre des très bons. Des Sam Shield, qui a été le meilleur combattant K1 de tous les temps. Ouais. 2m12, 245 kilos, voilà. J'ai perdu aussi contre Daniel Guita, Raoul Catenas, etc. Et forcément, vu que eux, c'était le haut du panier, l'élite, tu tapes Brice Guidon sur YouTube, tu vois mes défaites, puisque j'ai boxé contre tout le monde. Donc, Bouzidi, qui a été un excellent combattant, qui a boxé Badrari pour le titre du Showtime, etc. Et je l'ai battu deux fois. Donc voilà, j'ai boxé tout le monde. Et voilà, mais c'est sûr que si tu tapes Brice Guidon, par exemple, sur YouTube, on me dit, ouais, vas-y, j'ai regardé, t'as perdu et tout. Ah oui, forcément, j'ai boxé. C'est ce que j'ai dit, Brice, excuse-moi. Vas-y, dis-moi. Trois fois champion d'Europe, deux fois champion du monde, c'est des titres. C'est dur de les avoir, surtout en poids lourd avec des grands monstres comme ça. Ouais, mais avant de faire un champion du monde, un champion d'Europe, ou même avant de faire cette carrière, il y avait des combats à faire, il y avait de l'opposition en face. Et c'est ça qu'on ne voit pas souvent. On voit surtout soit une vidéo qui avait une défaite, mais on ne voit pas le parcours, on ne voit pas toutes les circonstances. Ouais, bien sûr. Et moi, c'est ce que je voulais soulever lorsque je regardais les photos tout à l'heure. C'est hallucinant. C'est hallucinant. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est lui. Pour moi, c'est lui le champion, sans hypocrisie. Et je l'affirme franchement du fond du cœur, parce que c'est un mec. C'est une personne qui a refusé personne. Il y a des gens qui sont aujourd'hui champions du monde, mais se sont protégés. Et Brice, c'était vraiment, et pour moi, c'est vraiment le sportif, l'exemple du vrai sportif, du vrai combattant. Du sportif, oui, mais aussi, surtout, du vrai combattant. Il refuse personne. Et comme il disait tout à l'heure, le fait qu'il ait ses défaites, pour moi, c'est pas des défaites, c'est des victoires. Boxer les mecs dans les conditions dans lesquelles qui s'entraînait, et lui, de l'autre côté, il faut pas oublier, il vient de la Touraine, hein. Même s'il se tenait aux États-Unis, aux Pays-Bas, il fallait qu'il parte aux Pays-Bas, revenir, c'est encore aussi un sacrifice. Et ça, c'est une frustration que j'ai personnellement, mais là, ça engage que moi, que cette personne, au nom de Brice Guidon, ne soit pas aussi reconnue comme il aurait été reconnu dans une autre ville. On l'aurait, entre guillemets, vénéré en disant, un mec comme ça qui a perdu contre eux. Peut-être les meilleurs, mais c'est pas. Peut-être c'est les meilleurs. Il a battu aussi les meilleurs. Il a battu les meilleurs. Excuse-moi, mais Brice, tu me dis tout à l'heure, oui, c'était avant. Non, il n'y a pas avant. Toi aussi, c'était avant. Donc, tu as boxé un gars qui était préparé autant que toi. Donc, tu l'as battu. Pour moi, tu étais le meilleur, même si c'était avant. On ne peut pas. Oui, bien sûr. Tu vois ? Non, bien sûr. Et puis, ça me fait sourire parce que aujourd'hui, par exemple, là, pour l'affiche du combat du Glory, là, Jamel Bansalik, il s'est blessé, il est remplacé par Hedi Gerges. Donc, du coup, au top mondial, enfin, ça sera tournoi 4, mais la demi-finale. Pour ceux qui ne savent pas, Jamel Sadek, c'est lui, c'est un autre poids lourd franco-marocain, on va dire hollandais en Hollande, qui devrait boxer Rico. Devait boxer, ouais. Il a battu Rico pour le titre. Il y avait une grosse communication sur ce match. Bah ouais.
combat. Et on voulait bien avoir ce combat. Malheureusement, on vient de savoir qu'il s'est blessé. Est-ce que tu es au courant de sa blessure? C'est grave ou pas grave? Blessé au dos, c'est le communiqué de Glory. Hein. Comme tout le monde, je vais le communiqué de Glory. Une blessure au dos qui va l'éloigner des rings plusieurs mois, ils sont dit. Donc, ça m'a l'air quand même assez sérieux. Tu vas remplacer plusieurs mois. Ils ont été chercher Hedi Gergès, un combattant que j'ai battu, qui avait boxé Badrari, qui a battu Badrari par disqualification, mais qui a aussi boxé tout le monde, qui a déjà boxé Rico, qui a vraiment boxé tout le monde. Et donc là, aller sur l'élite mondiale du Glory, c'est deux adversaires que j'ai battus, donc ça fait sourire. C'est gratifiant. Le but de l'émission, c'est aussi faire découvrir les jeunes aussi, même jeunes ou plus jeunes ou adultes, ou on ne sait pas c'est quoi le terme, de savoir que Brice Guidon a battu les stars du K1 aujourd'hui du Glory. Exactement. Et c'est pour ça qu'on connaît tous Brice, si tu me permets. On connaît tous Brice et moi, je l'ai connu petit à petit et on s'est connus tardivement, lui et moi. Ouais, et franchement, c'était vraiment un plaisir, mais franchement, et je le dis à chaque coup, et un honneur d'avoir pu échanger, même si c'était pas longtemps, échanger cette passion, la mienne, et franchement, je garde un super souvenir. Et là, on voit l'image, encore une fois, les gens ne le savent pas, Panto. Luca. Luca Ponte. C'était une machine quand même, faut pas aller. Attention, il l'a envoyé. Brice Guidon, il faut savoir que sur ce combat-là, il est venu, il s'est blessé rapidement. Il a fait le premier round, je me fais casser le bras. Il se casse le bras. Et on voit encore, c'est là que tu vois la mentalité du combattant, et t'en trouveras peu. Il a essayé les jambes, et il y a un moment, il va le finir en point. Il va le finir en point malgré la blessure. Et on le voit. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Et ça, je tenais à dire. Devant mon public à Tours, au Prince du Ring, je ne pouvais pas faire autrement. Je ne pouvais pas faire autrement de gagner par KO rapidement. Parce que oui, une fois que je suis retourné dans le ring, dans le round, je retourne à la minute de repos, je retourne dans mon coin. Ouais. Je fais clac, clac avec mon bras, j'entends crac, crac. Je dis c'est foutu. Ouais. Donc, il va falloir aller rapide, il faut aller voir vite au KO. C'était très vite. Et il a deux. J'ai passé ce combat et un autre combat. Il y a une autre anecdote. Une fois, il a boxé. On verra. Tu as fait voir Bada tout à l'heure la photo de Vanesse où il enchaîne en points. Je pense, si je me souviens bien, c'est même sûr, son épouse allait accoucher. Tu te souviens? Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Elle était à la maternité, elle avait perdu les os. Elle a perdu les os la veille. Donc, moi, j'étais à la conférence de presse, j'ai dû rentrer en urgence en pensant que je devais annuler parce que j'aurais pas raté l'accouchement quand même. Donc, sauf que à tarder à se mettre. Heureusement, c'était pas loin. C'était à la Châtre, là. Donc, c'était quoi le palais des sports? Enfin, c'était à côté, à Châteauroux, voilà, à côté de chez nous, à Déol exactement. Voilà ce que je cherchais, c'était Déol exactement à côté de chez nous. Je demande au médecin, vous allez croire que j'ai le temps de faire un aller-retour, ça prend 3-4 heures. On m'a dit oui, banco, vous pouvez y aller parce que de toute façon, même si le travail il se met en route maintenant, le temps des contractions, de la césarienne, etc., tout ça, vous faites vite, vous pouvez revenir. Donc, je suis arrivé à Déol. On a gagné KO au premier round avec Nedji et Jérôme dans le coin, c'était super. On a gagné KO au premier round et puis je suis retourné à l'hôpital dans la foulée. Et la maman avait eu la gentillesse de m'attendre pour commencer le travail, et puis à peine arrivé, c'était parti. C'est un truc qui est. Ouais, c'est un gros moment. C'est la coupe trône dans la chambre de la petite, et puis du coup, elle est liée à la boxe, quoi. Ouais. Donc, une histoire vraiment. Ça fait des beaux souvenirs. Hein, ça fait des beaux souvenirs. Et pour finir, pour pas mobiliser la parole, faut savoir que Brice a failli boxer en anglaise. Et on avait pris la licence et il devait boxer Tony Yoka. Il avait tout dans et ça ne s'est pas fait parce que parallèlement… Ça ne s'est pas fait. Regardez. Hop. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Ça ne s'est pas fait pour ça parce que je rentrais du Japon
contre Shield qui m'a cassé les dents. Et donc, opération des dents, blablabla. Et donc, du coup, ça tombait en même temps que le champion de France. Le dentiste, il fait, bah là, si tu vas avec les dents et les gencives dans cet état-là, tu prends un jab et c'est terminé. Ouais. Donc, bon, bah, j'ai choisi quand même de me faire opérer. Enfin, c'était là quand même quand t'as les deux dents de devant qui manquent. C'est ouais. quand même un peu compliqué. Donc voilà. Et Shield, que j'avais pris après mon opération des croisés, ça avait été pas très raisonnable. Une préparation que j'avais fait quasiment en intégralité avec Momo aux fontaines parce que je pouvais pas encore envoyer les jambes. D'ailleurs, on voit sur les photos, j'ai les straps aux deux genoux pour pas qu'ils sachent quel genou est blessé. Ouais. Et ça avait été une préparation quasiment qu'en anglaise parce que j'avais été opéré des croisés à peine 7 mois avant. Ouais. Donc, je suis remonté sur le ring 7 mois après pour une opération des croisés. Bon, maintenant, ça va de plus en plus vite, mais à l'époque, il y a une petite dizaine d'années, c'était quand même très rapide. Donc voilà. Brice, toi qui a affronté ce monstre de shit là, comment tu ressentais l'opposition, on dirait un mur en face le shit là. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Il est pas normal, c'est un géant lui. 2m12, une amplitude, des mouvements, une allonge extrêmement longue, un cardio sans fin. Le mec est jamais fatigué, donc c'est vraiment fatigant pour nous. Et surtout, il est d'une dureté. Tu lui donnes un coup de tibia, il bloque avec son tibia, bah t'en redonnes pas un deuxième parce qu'il a failli te casser le tibia. C'est étonnant parce qu'un grand comme ça qui paraît un peu nonchalant et tout, tu dis ouais, ça va, c'est pas un bout de doigt. Et en fait, des gars que j'ai boxé. Mais c'est la marque des grands champions hein. Quand je boxais Gogan Saki tout ça souvent les mecs sont durs. Je boxais Saki en finale et il m'a fait perdre 150 000 $, donc je me rappelle bien en finale d'un tournoi de 150 000 $, c'est parti, je perds à la décision, c'était très très serré, je prends un knockdown dans le deuxième, donc c'est victoire pour lui sans souci, voilà, mais je lui ai donné une belle opposition, je lui ai déchiré l'adducteur sur le troisième round. Il m'a même, d'ailleurs, je fais ce combat avec une main vraiment abîmée aussi déjà. Donc c'est des combats comme ça. C'est ce qui m'a perdu aussi. Momo le disait tout à l'heure, j'ai refusé personne, on m'appelait, j'y allais. Il faut savoir aussi que nous, les boxeurs, on boxe à la prime. Hein. Tu boxes pas, t'es pas payé. Donc parfois, moi, j'avais des préparations aux Pays-Bas qui me coûtaient cher, etc. Et bien, moi, on m'appelle, on va boxer, on te paye, et bah, t'y vas. Hein. On n'est pas salarié d'un club ou quoi que ce soit. Donc c'est ça qui est un petit peu compliqué aussi des fois. Et ce qui fait que je refusais personne. Et puis, de toute façon, c'est aussi l'état d'esprit, etc. Mais je ne refusais personne. Et le petit truc, c'est surtout que j'annulais jamais un combat. Une fois engagé, moi, je suis engagé. Et donc, je suis allé boxer avec des infections. Je suis allé boxer avec la main cassée. Je suis allé boxer avec une entorse cervicale. Je suis allé boxer juste après mes ligaments croisés. Je suis allé boxer avant avec un ligament croisé arraché contre Shield aussi, puisque je l'ai boxé deux fois. J'ai boxé Shield à 7 mois d'intervalle, une fois sans ligament croisé, une fois juste opéré. Là, Gergès, pareil, coup de poker de l'organisateur, il m'a appelé une semaine avant. J'étais en formation Krebs à Vichy pour mon BP box justement. Il m'appelle une semaine avant et je débarque une semaine et je dis qu'il était son combat de préparation avant d'affronter Badrari pour le titre du Showtime et je gagne. Tout comme j'avais fait exactement, j'étais la bête noire du coup du Showtime parce que j'ai gâché leur fête. Et j'avais fait exactement avant avec Mourad Bouzidi, qui était son combat de préparation au titre contre Badrari. Donc normalement, voilà, un combat qui devait le conforter dans sa position de challenger. Et je le bats. Donc c'était vraiment malvenu pour le prétendant au titre. Donc il a boxé Badrari derrière, il a perdu évidemment. Et pareil, je dis Gergès a boxé Badrari derrière moi. Et il me semble que c'est son combat-là que Gergès gagne par disqualification parce que Badrari avait pété les plombs et il l'avait frappé au sol, etc. Donc il me semble que c'est le combat juste derrière moi. Donc voilà, et à chaque fois, j'étais souvent le coup de poker et j'avais la chance de faire des bonnes perfs. Mais bon, à côté de ça, j'ai aussi fait des combats que j'aurais pas dû y aller. Le combat qui me coûte ma place au Glory, où j'ai été renvoyé par le Glory parce que j'ai fait une contre-performance sur le contrat. Ils pouvaient me renvoyer que pour une contre-performance. Quand ils m'ont fait boxer le Glory, il faut savoir que le Glory m'ont fait boxer Saki dans l'ordre. Hein. Saki, Shield, Gita. Donc arrivé un moment, j'ai boxé le numéro 2, numéro 1, numéro 1, numéro 3. Arrivé un moment, donc quand j'ai perdu contre eux, ils ne pouvaient pas me renvoyer avec mon contrat parce que ce n'était pas des contre-performances. Politique de Glory de protéger, de mettre les meilleurs contre les meilleurs sans réfléchir. Est-ce que c'est leur politique ou ils protègent aussi leurs boxeurs? Non, mais c'est surtout que à l'époque, moi, voilà, ils m'appelaient, je faisais des bons combats. Gagnant ou perdant, je donnais le maximum et tout, ils étaient contents. Et oui, effectivement, vu que j'étais classé en dessous des Shields, des Sacks et tout ça, ils ne prenaient pas trop de risques.
Donc, ils pouvaient mettre en avant, évidemment, leurs boxeurs. Mais c'était aussi la phase de transition du Glory, où tous les mecs, ils avaient racheté le K1, le roster, ce qu'on appelle le roster, les combattants, le contrat des combattants en cours au K1. Et ils gagnaient tous beaucoup, beaucoup de sous. Donc, il leur fallait des prétextes pour les virer. Moi, je gagnais moins qu'eux, heureusement. Enfin, heureusement, malheureusement, je gagnais moins qu'eux, mais je gagnais déjà quand même un peu de sous. J'avais des primes quand même assez élevées. Par rapport au renouveau du Glory, ils voulaient plus payer les combattants comme ça. Donc, du coup, ils essayaient de les piéger un petit peu, malheureusement. Et c'est pour ça qu'on a eu en même temps, la retraite de Saki, la retraite de Kita. Moi, c'était pareil. Je suis passé à la trappe. La retraite de Spong qui est parti en boxe anglaise. Et tout ça, c'est parce que c'est des gars au K1 qui prenaient des gros cachets. Des cachets que Glory ne pouvait pas offrir. Donc, du coup, ils ont trouvé des solutions pour les remercier. Et moi, du coup, j'aurais laissé l'occasion de me remercier en perdant contre Jafar Wilnis, qui est maintenant, qui a été top 3, qui a eu sa chance pour le titre, etc. Mais à l'époque, qui arrivait dans le Glory. Et vu que j'ai perdu contre lui avec une main cassée, je suis parti, je me casse la main juste 2 jours avant de prendre l'avion, je me casse la main sur le crâne de Jérôme dans le dernier sparring. Je dirais que tu n'as pas de chance prise à ce niveau-là. Je m'ai accroché à Jérôme et la grosse tête de Jérôme me casse la main. Et évidemment, comme je disais tout à l'heure, quand je suis engagé, j'y vais. Donc, je n'ai pas annulé, j'y suis allé, mais boxer avec une main cachée à ce niveau-là, tu boxes dans le petit gala, voilà, tu peux mettre tes jambes, te faire ce que tu veux. Mais à ce niveau-là du Glory, avec le niveau d'opposition, ça passe pas à une main au moins. C'est vraiment trop, trop dur de pallier à ça. Donc, ce qui leur a justifié mon éviction, et j'avais été licencié, mon contrat avait été rompu à la suite de ce combat-là où c'était assimilé comme une contre-performance. Moi, derrière, j'aurais dit, je vous fais la revanche gratuitement, vous allez voir ce que c'est qu'un brise-guidon avec ses deux mains. Moi, je viens gratuitement et tout, vous verrez ce que c'est, mais ils n'ont rien voulu savoir. Et c'était un prétexte pour envoyer, mais je te dis, à cette époque-là, malheureusement, à la fin du K1, et on est très nombreux à être passés à la trappe, quoi. D'accord, ok. Par rapport aux blessures, généralement, un boxeur doit être dans une compétition, on va dire pas 100% parce que c'est pas possible, parfois avec les sparring et tout, on se blesse. Mais comment ça se fait que tu peux aller sur un ring avec des blessures, sachant qu'il faut se protéger le maximum? Bien sûr, les blessures font les aléas de la vie d'un boxeur, mais il y en a qui ont plus de chance que d'autres, plus de réussite que l'autre. Et moi, je fais partie de ceux qui n'ont pas eu beaucoup de chance. Et c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps de ma carrière blessé. Mais si j'avais fait les combats uniquement en pleine possession de mes moyens, c'est pas 50 combats pro que j'aurais, c'est 15. C'est un truc de fou comme moi. Peut-être que mon style était propice aux blessures, où j'avançais beaucoup, etc. Je mettais beaucoup de rythme. Mais c'est incroyable le nombre de fois où malheureusement je me suis blessé. Ça m'a pas empêché d'aller boxer. À chaque fois j'allais boxer, je faisais le rugby à côté. J'aimais vraiment au club de Luynes, bien sûr, à qui je passe le bonjour. Mais j'aimais trop le rugby et ça me faisait vraiment un complément avec la boxe, avec les sprints, avec tout ça. Ça me faisait vraiment un complément d'entraînement parce que quand j'étais en France, il fallait bien que je m'entretienne. J'étais sportif pro, il fallait que je m'entraîne toute la journée. Et quand j'étais en France, s'entraîner toute la journée à la boxe, c'était compliqué. Il y a pas forcément les structures pour s'entraîner toute la journée, etc. Donc le rugby à côté, ça me faisait vraiment un complément idéal. Mais ça occasionnait parfois des blessures, dont entorse cervicale aux épaules, entorse cervicale, entorse acroclavéculaire aux épaules. Tu es dans quel poste de rugby? Deuxième ligne et 8 de temps en temps. Et deuxième ligne, donc ceux qui vont au carton, quoi. Ceux qui vont au carton, donc voilà, ça m'a occasionné pas mal de blessures. Mais voilà, moi, je suis quand même fier de ma carrière. Voilà, mais c'est clair que elle aurait pu être différente si j'avais été un poil plus réfléchi. Mais voilà. C'est fait. Hein. Je pense. D'ailleurs. T'as dit le mot, excuse-moi, je pense que t'as dit le mot parce que un peu plus réfléchi, oui et non, parce que t'es quelqu'un, t'es un ouais, ouais, impulsif, et puis oui, bien sûr. T'es un guerrier dans l'œil. J'ai eu, comme je dis tout à l'heure, j'ai eu la chance de voir comment tu as l'entraînement, tu triches pas. Oui, bien sûr. T'es pas quelqu'un qui triche, au contraire. Donc, dans le combat, tu triches pas non plus. Et des fois, c'est vrai que, comme je dis toujours, je fais référence au grand nom du football. Comme Messi, Ronaldo, ils font jamais les mêmes matchs. Tu vois, à un moment, ouais, bien sûr. Ils vont jouer, mais ils vont pas jouer à la même intensité parce qu'ils savent pertinemment qu'ils vont pas tenir la même intensité dans tous leurs matchs. Et donc, je pense qu'un boxeur aujourd'hui, peut-être que je me trompe, à un moment ou à un autre, il doit continuer. Bon, c'est plus difficile chez nous les boxeurs parce que les combats ne tombent pas tous les jours, mais il doit faire en sorte de manager sa carrière, ses combats. Toi, tu as refusé. Oui, bien sûr. Et chaque... Bah, et, puis,
Et malheureusement, de plus en plus, on voit maintenant carrément les boxeurs, ils sont sur Instagram et puis c'est plus leur palmarès qui compte, c'est leur nombre d'abonnés et tout ça. C'est malheureux. Moi, je trouve ça malheureux. Et que, par exemple, un combattant comme McGregor, pour parler de l'UFC, McGregor, qui est un combattant qui a le plus de succès, qui a boxé Mayweather, etc., en anglaise, alors qu'il n'y avait aucune discussion pour que ce combat soit légitime. C'était absolument pas légitime, ce combat. Mais McGregor, il est là parce qu'il fait le show. Voilà, il est là parce qu'il fait le show. Et voilà. Et moi, pour le côté sportif, je trouve ça malheureux. Mais maintenant, c'est comme ça que la société, elle marche. Et voilà. Et je suis pas mécontent d'avoir fait ma carrière il y a 10 ans plutôt qu'aujourd'hui. Parce que voilà, aujourd'hui, c'est vraiment pas ce qui me séduit dans le sport, le côté people, être sur les réseaux sociaux, etc. Nous, il y a une vérité, c'est la vérité du ring. Mais malheureusement, aujourd'hui, ça suffit plus. Un promoteur, il va plus facilement appeler un boxeur qui a 100 000 abonnés sur Facebook ou sur Insta plutôt que le champion qui est pas médiatisé, tu vois. Et je trouve ça dommage, malheureusement. Ça tombe, c'est bien parce que ça rejoint un peu une des questions que j'avais pour toi ce soir. Je voulais avoir un peu ta vision du pied-point actuellement. Le climat et tout ce que tu vois aujourd'hui des combats, toute cette politique sportive qu'il y a aujourd'hui, est-ce que tu t'y retrouves quand tu vois ça ou pas, quoi, toi? Ah, déjà en ce moment, vraiment, avec le corona, là, on n'est pas gagné, on n'est pas. C'est sûr que là, c'est vraiment compliqué. Mais après, on essaie d'avoir des belles. Il commence à y avoir quelques organisations et tout, mais c'est comme tout et comme l'anglaise. Ça, imagine, l'anglaise, ils ont. Quatre fédérations, cinq fédérations sérieuses. Après, il y a de la petite fédération, tout ça. En pied-point, c'est vraiment compliqué parce que t'as tellement de fédérations, t'as des fédérations plus sérieuses que d'autres. Mais auprès du grand public, ça parle pas forcément. T'es champion du monde ISK, t'es champion du monde WPF que t'avais gagné comme moi avec l'équipe de France en Thaïlande, ou t'es champion du monde d'une fédération dont personne n'a entendu parler. C'est la même chose. Sur le papier, t'es champion du monde. Ouais. Mais ça, pour le grand public, on me dit toujours, putain, ouais, champion du monde, c'est classe, mais il y en a combien de champions du monde, etc. Et tu vois, mais ce que tu sais pas, c'est pas moi, mon titre, il est gros, assez légitime. J'ai beau que c'est les meilleurs et c'est l'une des plus belles fédérations en Muay Thai. Et à côté de ça, tu vas avoir des fédérations fantômes qui n'existent pas et qu'on est champion du monde aussi. La difficulté, c'est le nombre de. Il faudrait que tout le monde se retrouve. Et c'est pour ça que, par exemple, le judo, t'as les Olympiades, t'as un championnat du monde de judo et point barre. T'as pas, c'est comme si aujourd'hui, t'avais 15 championnats du monde. Teddy Renard, il était dans une organisation, un autre polo dans une autre. Enfin, on s'y retrouverait pas. Et c'est ce qui fait un peu défaut. Et l'anglaise, c'est là où ils sont un peu plus malins. C'est qu'il y a moins de fédérations, mais plus ça va, plus ça grossit aussi. Il faudrait pas qu'ils fassent les mêmes erreurs. Tout le monde veut une part du gâteau, mais arrive à une moment, plus le gâteau est restreint, plus c'est les meilleurs sur le gâteau, tu vois. Oui, sachant que les plus grands boxeurs, que ce soit latino-américains, les plus grosses primes, c'était hors titre. C'était même pas le titre, c'est pour ça qu'ils boxent hors titre. Mais ils ramènent tellement le public qu'ils sont plus valeureux, leur combat est plus valeureux que le titre lui-même. Avant de continuer, j'aimerais bien faire participer ton public, Brice, parce qu'il y en a des commentaires. Ah, vas-y, dis-moi. On va faire vite, comme ça. Bah, Cédric, qui était directement avec nous à 21h01. Merci Cédric, t'es prêt? La revanche avec Rico. il faudra m'appeler au moins 15 jours avant que j'ai le temps de me préparer, tu vois, sortir de ma retraite, il me faut au moins 15 jours pour aller boxer Rico. Non, c'est pas l'actualité. À moins que le Glory me propose 1 million et que je puisse mettre toutes les activités de côté et me consacrer uniquement à un entraînement, à un camp d'entraînement. On me dit ça, ou demain je gagne. Moi, demain, il faut bien comprendre que par exemple, pour demain je gagne l'auto, les gens ils gagnent l'auto, ils veulent aller être tranquille, plus travailler, tout ça. Moi, demain, je gagne l'auto, je redeviens boxeur professionnel, tout simplement, parce que c'est le kiff de s'entraîner, de tout ça. Mais aujourd'hui, ça te coûte des sous d'aller boxer, à part le top 3 mondial du pied-point. Et franchement, et en plus, tu as un combat, c'est comme tout, même la situation du moment, c'est ça. Tu boxes, tu n'as pas de prime. Enfin, tu boxes, tu as des primes, tu ne boxes pas, tu n'as pas de prime. Là, tu ne boxes pas. Moi, j'ai des copains boxeurs pro qui sont repartis bosser en usine, qui sont repartis aider leur père en charpente. Voilà. Parce que la situation fait que tu ne peux pas boxer. Ça me fait penser, même, pareil, je parlais du Glory tout à l'heure où j'avais des primes raisonnables, etc. Tu te casses le genou, bah, tu es 8 mois sans. C'est pour ça que tu remontes aussitôt sur le ring, parce que tu es 8 mois avec 0 par mois. Donc, la situation est vraiment compliquée. Et aujourd'hui, ça te coûte des sous d'aller boxer. Donc ça, c'est pas possible. Donc demain, moi, je gagne l'auto, je mets les activités de côté. La salle, je leur paye le meilleur coach du monde pour les entraîner et voilà, et pas qu'ils perdent de change. Et moi, je redeviens boxeur pro à m'entraîner toute la journée.
Je m'entraîne toute la journée et ouais, alors là, on me fait un ou deux combats de préparation et je peux remonter sur le ring. Et malheureusement, je ne joue même pas au loto, donc ce n'est pas évident. Merci Cédric pour la réponse. Bon, Cédric, pour la question. Excuse-moi, je t'ai coupé, Brice. J'avais terminé. Voilà, de toute façon, le Glory ne me demande pas. Après, ça m'étonne que Glory, c'est eux qui ont les droits des images du K1. Et ça fait deux semaines qu'ils justement ils mettent en avant mon combat contre Rico et tout ça. Ça m'a étonné de le voir sur la chaîne officielle du Glory. Ils ont passé le combat. Rico l'a partagé. Ils ont dû demander à Rico de le partager. Rico l'a partagé sur son Facebook, etc. Je trouve que putain, ils vont m'appeler pour me demander l'argent. Ça se trouve, c'est un signe avec le retour de Tyson qui a remonté sur le ring. Ouais, voilà, c'est ça. Mais malheureusement, les conditions sont pas réalisables. C'est pas d'actualité. Je peux pas mettre tout en plan pour. Enfin, je peux pas payer de ma préparation. Enfin, je peux pas boxer pour que ça me coûte des sous, quoi. C'est juste. Il va te sponsoriser, Najid. Pas de problème. Bon, on a une autre question, mais on va faire vite. Os Brice, Os Jérémy, t'es un super coach, fier d'avoir été un élève qui n'a plus le temps de venir. Oui, bien sûr, j'avais joie. Très bien, bonjour Jérémy, mais faut bien comprendre que ma passion, c'est entraîner, c'est boxer, bien sûr, mais entraîner, ça a toujours. C'est pour ça que d'ailleurs, j'étais l'entraîneur. Jérôme, il m'a appelé pour être son sparring partner. Je croyais arriver, moi, j'arrivais des Pays-Bas avec le team Peter Hartz, le team Rémy Bouniansky, tout ça, où il y avait le poids lourd, quatre coachs, des poids lourds par dizaines qui tournaient une minute par une minute pour être tout le temps frais, tout ça. Je me suis dit, putain, j'arrive dans le team Le Bonheur, ça doit être un truc de fou. Voilà, et c'est Jérôme qui vient me chercher à la gare. Ouais, bah moi je m'entraîne dans mon garage, tu vas voir, j'ai un pigeonnier, je l'ai transformé en salle d'entraînement, je m'entraîne. En ce moment t'as pas de coach et tout? Bah non, René Paulet à l'époque, il est pas disponible pour le moment et tout ça. T'inquiète, je fais mon sac et tout. Putain, c'est fou. Et au final, moi j'avais déjà la fibre de l'entraînement, et au lieu de sparring partner simple mise de gants, j'ai fait sparring plus entraîneur. Et j'ai tout de suite commencé à lui faire ses programmes physiques, à le passer au pas d'ours en plus de faire les séances de sparring, etc. Parce que c'était un kiff. C'était un kiff d'entraîner les gens. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en pleine carrière, en 2010, pourtant j'étais en pleine carrière au K1 et tout, je me suis dit, je passe un diplôme qui me validera ça. Et on ne sait jamais de quoi demain est fait. Voilà, il faut pouvoir aussi entraîner légitimement, parce que si c'est juste entraîner sous le manteau comme ça, ça ne vaut pas le coup. Et ce qui m'a permis d'ouvrir ma salle, etc., c'est que je suis diplômé pour. Et je sais vraiment de quoi je parle. Je maîtrise le sujet. Et moi, j'ai presque autant de plaisir à boxer qu'à entraîner. Et là, je suis impatient que les premiers élèves du Samurai Boxing Camp puissent aller sur le ring, faire les championnats de France, etc. Pour le moment, avec ce Covid, là, on est tous bloqués. Mais je suis impatient qu'on puisse vraiment retourner sur le ring et que je coache mes élèves. Super. Tu as Fred qui va faire un sparring partner, une journée avec Vienno. Jimmy Vienno, le champion français maintenant qui cartonne, ouais, qui a gagné le Lumpini. Mais par contre, Fred, tu parles de Fred qui ? Fred Savary. Bonsoir. D'accord. À vous, Boxing TV. Bonsoir, Brice. Tu as pris les meilleurs. Perso, moi, je ne retiens pas les titres. Je retiens uniquement les noms que tu as boxés. Pour moi, tu fais partie des poids lourds au top. Merci. Ouais, c'est gentil. Merci, Kaspar. Oui, en effet, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Parfois, les titres ne sont pas légitimes. Certains sont légitimes, d'autres pas. Par contre, les noms que tu as boxés, voilà, au moins là, c'est tranquille. Les noms que tu as boxés, certains battus, ou même, tu vois, défaite premier round, le mec, il a été boxé les meilleurs, il a perdu tout le temps premier round, c'était un faire-valoir, non? Donc là, ça vaut pas le coup. Par contre, à chaque fois, tu les as embêtés, tu as été au point et tout ça. Moi, il n'y a qu'une défaite où j'ai honte, c'est Daniel Guita à New York, où j'ai eu des gros problèmes d'organisation. Mon visa a été refusé aux Pays-Bas, d'ailleurs, mon visa a été refusé, donc j'ai dû rentrer en France en express. Je suis arrivé même pas 24 heures avant le combat, en plein jet lag, etc. Enfin, on a toujours des excuses. Après, c'est le combat, on était ensemble sur le ring, il m'a surclassé, mais c'est l'un des seuls combats où je suis réellement passé à côté. Je me fais surprendre en 35 secondes, je perds pas KO, je me rappelle même plus de New York parce que j'ai parce que tapis. Je suis... C'était tapis. Ouais, tapis. Ouais, tapis en 35 secondes. À New York, j'ai des copains qui étaient partis faire le tour du monde, qui ont changé tous les billets du tour du monde et tout pour être à New York sur place. J'ai mes cousins qui sont à New York, qui sont venus me voir et tout ça. Moi, derrière, je ne reconnaissais plus personne. J'ai même pu aller dans les salles leur dire bonjour et tout ça. Voilà, c'est le combat. D'ailleurs, là, j'ai fait un t-shirt Memory justement pour le palmarès et tout. Je cite même pas Daniel Guita parce que c'est un non-combat, quoi. Je suis arrivé 35 secondes, KO. Je pouvais faire que mieux. J'avais les possibilités de faire. Voilà. C'est un accident. Après, c'est un accident qui a provoqué. Hein. Daniel Guita, c'était l'un des meilleurs. Il m'a chopé avec son crochet. Il n'y a rien à dire. Mais bon, par contre, voilà, ce n'est pas un combat dont je suis fier.
à côté de ça, j'ai des défaites contre Shield, tout ça. À chaque fois, je suis allé au bout, j'ai fait le max et je pense avoir donné le maximum à chaque fois. Et aussi, aussi que tu avais à ce moment-là pour boxer Guita, je me souviens, tu avais des problèmes au niveau des coudes. Tu te souviens? Oui, bien sûr, ouais, c'est. J'étais emmerdé, ouais, bien sûr, ça avait gâché toute ma préparation. Je pouvais pas allonger le bras. Dès que j'ai rallongé le bras, le coude claquait et je pouvais plus bouger le bras pendant 10 minutes. Donc je boxais avec des fibres et tout. C'était vraiment, vraiment compliqué. Mehdi Alloun, Brice est le premier qui est fait venir, que j'ai fait venir en stage au club lors de notre gala. Un grand champion, super pédagogue. Il a laissé un merveilleux souvenir. Bravo, Batre, pour ton taf. Merci, Mehdi. D'ailleurs, j'étais dans ce stage-là. Évidemment, parce que mais oui, c'était un grand plaisir, c'était bien cool. C'est dur, le stage, j'ai vu, c'était un entraînement dur. Hein. C'est ma signature de leur faire des. Je me suis édulcoré un petit peu avec le temps et avec les années d'entraînement, mais c'est vrai qu'au début, je leur faisais l'entraînement des pros qu'on avait aux Pays-Bas. Ils arrivaient par 30 minutes déjà de 1, 2, 3, 4, ils vont s'en rappeler 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 sprint. C'est pas très ludique. Par contre, c'est mort, et t'es fier d'être allé au bout à la fin. Et voilà, c'est ça qu'il faut retenir. C'est là que tu leur as dit, il ne faut pas bloquer les coups avec les bras. On a parlé de ça dans le stage, effectivement. Tu vois, j'en suis là. La cicatrice me le rappelle. Après, c'est pas que j'ai bloqué. Il faut au maximum essayer de bloquer avec les genoux. Monter comme un blocage tibia, comme un blocage vraiment. Un blocage tibia, c'est le plus efficace. Quand on est surpris au dernier moment, plutôt que de le prendre sur un bras, on amène au moins les deux bras, qu'on divise l'impact du tibia sur les deux bras. Comme ça, t'équilibres la frappe. En revanche, si tu te fais surprendre comme Panto avec ses grosses jambes m'a surpris et que c'est un seul bras qui prend le choc, il perd contre le tibia. Hein. Un tibia, c'est plus puissant qu'un avant-bras. Et puis, mon avant-bras devait déjà être fatigué de mes nombreux combats. Mais voilà, il a pété parce que c'est le tibia qui a gagné, tout simplement. Là, c'est des images du stage de Brice. Ouais, exactement. Ouais. Et là, tu expliques effectivement, il ne faut pas bloquer avec le bras. Voilà. Si on bloque avec le bras, il faut vraiment amener les deux. Tu bloques sur un bras, le tibia est plus fort que le bras. Donc, il faut vraiment au maximum essayer de bloquer tibia contre tibia, quitte à monter un peu plus haut le tibia. Pris au dépourvu, au dernier moment, il faut que ce soit explosif, tu bloques les deux bras. En revanche, si tu te fais avoir avec un seul bras, tu perds ton. D'ailleurs, comment tu endurcis les tibias et les avant-bras, toi, Brice? Comment ça se passe pour ceux qui ça, cherchent c'est la légende urbaine du rouleau de pâtisserie, de taper dans le lampadaire comme les lascars et tout ça, c'est faux. Il y a deux écoles de toute façon. Il y a l'école de ceux justement qui font ça. Et moi, je dis qu'il n'y a pas besoin parce que tous les entraînements, les années d'entraînement, etc. Déjà, le jour du combat, avec l'adrénaline, tu sens, mais t'es fou en combat, comment tu fais tout ça? Mais tu ressens même pas la douleur en combat. Avec l'adrénaline du combat, etc., tu ressens pas le tibia contre tibia, c'est pas ce qui va te faire mal. Donc la droite dans le menton, elle a fait mal, etc. Mais le tibia contre le tibia, c'est pas ce qui va poser problème. Donc juste laisser faire à l'entraînement. Parfois enlever quand on travaille sur un sac dur, par exemple, enlever les protèges tibia. Mais il y avait d'ailleurs un médecin qui était interrogé là-dessus. En fait, un tibia, ça s'endurcit pas, c'est un os. Alors après, t'as les cales osseux, etc., qui sont plus durs. Mais tout ce que tu fais pendant tes années d'entraînement, etc., tu recules ton seuil de douleur. En fait, c'est la même chose. Le corps, il réagit pareil. Que tu prennes, quand tu es débutant, un tibia contre tibia qui te fait hurler de douleur, tu reprends le même 10 ans après, tu n'as plus mal. Pourquoi? Parce que ton seuil de douleur, il a reculé. Mais dans ton corps, il se passe les mêmes choses. Donc, ça ne sert à rien de vouloir s'endurcir à force trop vite. Trop vite, justement, tu vas te faire des liaisons. C'est comme on prend l'exemple d'un mur. Tu prends un mur, tous les jours, tu mets des petits coups de masse, des petits coups de marteau dessus, tous les jours. Et le jour du combat, tu mets un gros coup de masse. Ton mur, il va tomber. Alors que si ton mur, tu l'avais protégé tous les entraînements et tout ça, et il est tout neuf le jour du combat, tu mets le coup de masse, le mur, il va rester debout. Tu vois, c'est un petit peu ça. Donc, il ne faut pas se surexposer. Il ne faut pas vouloir se renforcer les tibias à tout prix. Ça vient avec le temps. Tu recules ton seuil de douleur. Mais il ne faut pas aller trop plus vite que la musique. Il y a les gamins, ils veulent absolument se renforcer les tibias, ils se font encore plus mal et surtout, ils se les blessent encore plus rapidement. Du coup, avec les power d'ailleurs, est-ce que c'est les power ou les pow? Les power, c'est pas le dos, pow. L'origine dit c'est de power, l'origine du mot, de power pour avoir de la force. Maintenant, on dit pow, c'est juste pour savoir, tu ne confirmes pas. Oui, bien sûr, c'est ça, PAO qui vient de là. Et puis,
Tu sais, il y a beaucoup les tailles qu'il utilisait en pied-point. C'est beaucoup les tailles. Tu vois les tailles, comment il parle. Et par contre, tu as les pattes d'ours. Après, on peut croire que ça vient du patte d'ours d'anglaise, mais ça n'a rien à voir. La petite patte d'ours, c'est la petite parce que tu passes ta main dedans et tu travailles en vitesse, agilité, un peu puissance. Par contre, le gros pao pour travailler, boum, en puissance, c'est beaucoup plus efficace. Parfait. Ali Saïdin, excuse-moi Najid, est modèle pour les jeunes générations. Ali Saïdin, que tu as rencontré à Guéret. Cédric, il dit que Badr Hari aurait abandonné direct. Ça, c'est pas Cédric. malheureusement, on est obligé de constater que ces derniers temps, il n'a pas montré un fighting spirit à toute épreuve, l'ami Badr. C'est vrai. Je sais que tu l'aimes beaucoup. Voilà, il est marocain. Pas spécialement. Juste en étant objectif. Il n'a pas montré un énorme fighting spirit ces derniers combats. Après, c'est comme tout. Badr Hari, il était au top il y a 10 ans. Il n'est plus au top aujourd'hui. Et c'est normal, la vie passe. Je ne sais même pas s'il s'entraîne très bien ou pas. Parce qu'à mon avis, la préparation était à Casablanca. Je ne sais pas si… Je pense qu'il avait perdu l'âme du combat. Là, je le sens. Là, c'était bien par rapport à ses dernières préparations. Il était avec Plasiba, un vrai boxeur. Un bon boxeur. Parce que le problème de Badr qu'on avait pu constater surtout et tout, à l'entraînement, mais il faisait venir des sparring, mais pour leur casser la gueule et vraiment les démonter, etc. Et lui, c'est très bien pour la confiance, il sent. Mais si tu fais pas sparring avec des mecs d'un niveau assez haut pour te faire toi-même évoluer, c'est compliqué. Le jour du combat, tu tombes sur un mec qui a ton niveau, et là, c'est plus compliqué. C'est ce qu'on reprochait toutes les dernières vidéos. Alors après, j'étais pas au Mike Gym, peut-être qu'il en avait tout ça, mais en tout cas, c'est pas ce qu'il mettait en avant dans les vidéos de préparation, etc. Dès qu'il y avait la vidéo de préparation. Les vidéos, on ne voit pas tout. Même nous, aux Pays-Bas, on en parlait, etc. Et ceux qui allaient faire sparring avec Bad, c'est un honneur, etc. Mais ce n'étaient pas les meilleurs. C'était des mecs qui surclassaient largement. Et si à chaque fois, tu t'entraînes avec des mecs que tu surclasses, le jour où tu tombes avec un mec qui te tient tête, c'est plus compliqué. D'ailleurs, il revient pas, Badr. Il va reboxer ou pas? Il a deux combats en contrat, normalement. C'est compliqué. C'est compliqué. Déjà, il faut qu'il ait envie. Tu sens qu'il a plus. D'ailleurs, tu l'as vu boxer Badr. Pour moi, il a plus envie depuis un moment. Pour moi, il a plus la rage de vaincre qu'il avait. Ça, c'est clair et net. En revanche, il a besoin de sous. Enfin, il a besoin de sous. Il aime les sous et il refuserait pas pour le. Il refuserait pas. C'est plus une motivation d'argent. Tu dis beaucoup pour le glory. Il a ramené beaucoup. Gros lot, bien sûr, ça reste Badr Hari. Il a une énorme base de fans derrière. Il n'y a aucun souci. Donc là-dessus, il est légitime et il n'y a pas de problème. Et on ne peut pas lui reprocher non plus de vouloir faire le spectacle. Et un boxeur, on parlait de boxeur réfléchi. S'il avait été juste un tout petit peu plus réfléchi le dernier combat, il le gagne. Il fait compter avec des bouillies au deuxième round. Arrivé un moment, il a juste à terminer tranquillement le troisième round au lieu de vouloir le terminer à tout prix. Et il se fait surprendre, il se prend KO. Et je vais d'abord casser le nez. Ah, moi-même, il n'était plus dedans. Il n'est plus dedans, Badr. Il faut être réel. Oui, voilà. Ouais. Il n'est plus dedans. Et comme tu disais, il n'a plus la rage. Donc, mec, il vient peut-être sûrement pour l'argent. C'est même certain. Voilà. Mais bon, voilà. Pour Guido. Hein. C'est pour Brice. Oui, bien sûr. Mais juste sur Badr. Par contre, je ne peux pas prendre sa défense un petit peu. Mais arrivé un moment, on dit qu'il n'a plus le niveau. Moi, il y a des mecs qui m'ont écrit « Ah, t'as vu, Badr, c'est pourri et tout ça. » Il boxe quand même. Là, même avec ce niveau-là, d'un seul combat par an, pas forcément les meilleurs prépas et tout, il est contre l'élite mondiale du moment. Alors, c'est pas les meilleurs poids lourds qu'on a eu en ce moment. Mais là, il vient de perdre, oui, par KO, alors qu'il dominait, contre le numéro 2 mondial du moment. Donc, il faut aussi remettre les choses à leur place et tout. Alors oui, il n'a peut-être plus le niveau de l'élite du moment, du top 3, du top 5, si tu veux. Mais n'empêche qu'il n'a pas été boxé un gars de l'Est qui n'a pas de palmarès ou quoi que ce soit. Il est tombé contre Adek Bouilly. Il perd. Et voilà, contre l'élite mondiale. Donc voilà, il faut quand même tous ceux qui crachent dessus, qui disent « Ah, il est nul maintenant, il ne vaut plus rien » et tout ça. C'est pas vrai. Il a quand même, il vient de perdre contre ce qui se fait de mieux. Donc voilà, c'est aussi logique. Mais voilà… La différence, c'est que là, c'est le parler d'un sportif. Le public le voit différemment. Il voit que le résultat. Ils savent même pas, des fois, ils savent pas pour eux. Ils ont encore cette image de Badr Hari qui est le meilleur. Et puis, c'est impossible que Badr Hari perde. Donc, encore cette image-là.
Bon, Salem Amraoui, Abdel Saki, voilà, Abdel, que tu connais très bien. German, oui, German, ouais, c'est bien sûr, c'est German. Oui, j'ai vu qu'il était là, c'est Léo Glory, c'est une belle. Mais son Covid encore, il a été éteint, c'est dommage, il faisait sa rentrée. Alors lui, c'est le même, c'est exactement le même cas de figure que les Saki, que tout ça. C'est un mec qui a été au top il y a quelques années, qui a arrêté parce qu'il n'y avait pas assez d'argent dans la boxe et que voilà, on ne le payait plus à la hauteur de ce qu'il demandait. Donc il a été à la retraite. Là, le Glory lui propose un truc sympa et on le voit s'entraîner, tout ça, c'est bien, il revient. Mais est-ce qu'il a encore envie? Est-ce qu'il a encore faim? Est-ce que Saki à l'UFC, bon, bah, ça a été des déceptions. Alors que Saki nous a tous fait rêver. Là, moi, quand j'ai boxé, j'étais super content et tout parce que voilà, il était très propre. Et voilà, je venais juste de coacher, enfin, d'être dans le coin, pas coacher, mais d'être dans le coin de Freddy Camayo au K1 Final 16 de Séoul. Quand Saki, il en fait qu'une bouchée et moi, je le boxais juste derrière. Donc, je lui dis, je veux Gogan, ralentis l'entraînement. Voilà, c'est moi le prochain. On va y aller tranquille. Alors, en le chambrant un peu. Et puis, au final, je suis content. J'ai fait un beau combat, mais bon, je perds. Mais au final, à l'UFC, quelques années plus tard, ça a été très compliqué pour lui. Est-ce que Katinas, il aura toujours cette faim? Est-ce qu'il va avoir toujours ce fighting spirit? C'est pareil, Katinas, moi, je l'ai boxé, j'ai perdu. Un combat où j'avais clairement plus envie. C'est un combat, voilà, c'était les combats où moi, je pensais que être à la maison avec ma petite. Ça y est, j'étais papa, ça a tout changé. Je pensais aller être à la maison avec ma petite. On m'appelle, bon, comme d'habitude, on m'appelle, j'y vais. Mais c'est là où j'ai compris, c'est l'un des combats que j'ai compris. À l'époque, il y avait des légendes aussi. C'est des légendes, il y avait des gros champions. Un commentaire de Salem Amraoui. Salem, un grand combattant qui avait battu de grands champions tels que l'actuel champion Rico, le vainqueur des légendaires Bad Harry. Dommage qu'il ne soit bien médiatisé en France, c'est le problème. Un problème français. Jérôme Le Banner, bien connu dans le monde, plus particulièrement au Japon, mais pas du tout mis en avant en France. Ça, c'est une grosse difficulté en France. Je ne sais pas pourquoi. Parce que voilà, quand tu n'es pas fan des d'Instagram, tu n'es pas fan des Facebook. C'est ça. Bon, maintenant, dans la génération actuelle, oui, mais même la génération d'avant, il y avait ce problème. Mais le problème principal, c'est que de toute façon, il est. Le pied-point fait pas assez de spectateurs. On ne mettait pas en avant Jérôme Le Banner, mais parce qu'il s'adressait à une niche du pied-point, à la niche du pied-point qui n'intéressait pas les médias, etc., parce que c'était trop peu. Si ça avait été un footballeur, voilà, bien sûr, il aurait été mis en avant. Regarde les Mbappé, tout ça, les sportifs, on les met en avant, mais parce que c'est des sportifs qui intéressent. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore assez de spectateurs, on n'a pas encore assez de passionnés qui suivent la boxe dans tous ces recoins, etc. Thomas Colbert, boxer c'est une chose, mais tu véhicules tellement de bonnes choses au-delà. Il y a un sacré mec avant d'être un sacré boxeur. Le meilleur pour cette année et pour tous tes projets os. Vous allez me faire rougir cette animation. C'était une caméra cachée pour me congratuler. C'est gentil, merci. 34 ans et pour la compétition. Est-ce trop tard pour la compétition? Je laisse. Moi, j'ai boxé jusqu'à 30. Allez, Milo. Surtout chez les poids lourds. 34 ans chez les poids lourds. 45 ans pour les poids lourds, je pense. Ouais, ça la carrière. 34 ans, tu commences. Là, effectivement, c'est compliqué. Ou 34 ans, t'es à 70 kilos. Là, c'est compliqué. Par contre, pour un poids lourd, 34 ans déjà pro. Il a encore de belles années. Le mec qui a envie, qui continue à s'entraîner, qui a une vie saine. Je voulais faire une parenthèse tout à l'heure. Abdelhassaki, il faut savoir qu'Abdelhassaki, c'est quelqu'un qui fait énormément pour le pied-point. Ça, c'est un vrai professionnel. On l'utilise, on l'appelle. Il a bien bossé pour mettre en avant les mecs. Il fait du très, très bon boulot. C'est vraiment un gars pro. Il a un engagement et une parole jusqu'au bout. Et ça, c'est aussi parce qu'à l'origine, il n'aime pas les lives. Je devais l'inviter, mais il n'aime pas les lives. Il ne veut pas passer. Mais bon, il participe. Ce qui est bien, c'est qu'à l'origine, Abdella Jarvan, c'est un boxeur. Il avait été champion en France. Voilà, il maîtrise son sujet. C'est un grand connaisseur. Il connaît très, très bien. Il m'a parlé de mon combat il y a quelques années. Ça a passionné avant tout. Il est allé sur le ring. Il connaît, donc forcément, il connaît la vie de boxeur et tout ça. Il se met à notre place. Donc forcément, il dans sa tête, c'est pas escroquer le boxeur. C'est mettre en avant le boxeur, le valoriser, etc. Et ça change tout. Il défend vraiment les intérêts. Tu t'es fait voler par Carteron. Non, ça, on n'en parle même pas. C'est deuxième combat pro contre Carteron. Pareil, on m'appelle une semaine avant. Je reviens du Japon avec Jérôme en plein jet lag, mais pas de problème. On m'appelle, j'y vais. Et effectivement, la vidéo, comme par hasard, la vidéo, elle est coupée. Il y avait une vieille vidéo qui tournait sur Dailymotion, mais coupée à la moitié parce que l'arbitre qui était dans son vestiaire, qui était son pote et probablement même son entraîneur, j'en sais rien. Ça commence premier round.
Carteron me touche, il n'y a aucun souci là-dessus. Il me touche comme j'ai été touché des dizaines de fois en premier round. Je me genoux par terre, tranquille. La vidéo là, à l'époque, Dailymotion, ça s'arrête. Sauf que je me relève, je suis complètement apte à repartir, mais complètement. En plus, c'était vraiment la fin du round. Donc, au pire des cas, dans 10 secondes, ça sonnait. Et l'arbitre se jette sur moi et m'arrête. Il y avait des jus de bouteille sur le ring. Il y avait, personne n'avait compris. On avait crié au scandale, remboursé. Et voilà. Et là, pour le coup, c'était vraiment une erreur de l'arbitre. Une erreur d'arbitrage qui était, je te dis, qui partageait le même vestiaire, etc. Donc après, voilà, chacun voit ce qu'il veut. Mais j'avais été frustré d'une force pas possible. Et puis moi, j'étais vraiment, je te dis, deuxième combat pro. Donc j'avais été le voir et j'avais dépanné. Il m'avait remercié comme pas possible. Oh, merci, personne veut me boxer. Moi, tout le monde a peur de moi. Personne ne boxait. Je dis, bah écoute, c'est bien gentil de me remercier. T'as bien vu, c'est un non-combat qu'on a fait. Donne-moi ma revanche. Ouais, t'inquiète pas, je vais y penser tout. Je lui ai couru dessus pendant des années. Je suis couru derrière des années. Quand moi, j'étais encore, quand moi j'arrivais, je commençais à bien gazer tout ça et je lui ai couru après. Et non, mais non, c'est pas, jamais, même pas répondu, etc. J'avais demandé à des promoteurs, faites-moi boxer Carteron. Non, il veut pas, il veut boxer que ce qui est au-dessus et tout ça. Il a rien boxé. Des années après, quand justement, après Ponto, parce que par exemple, moi, Ponto, que j'ai mis KO au premier round, Carteron, il a galéré pour le battre au point au bout de 3 ou 4 rounds. Je crois, je sais même pas s'il n'y a pas eu un extra round, c'est pour dire. À vérifier, mais je sais qu'il a galéré pour le boxer et pour le battre. Et voilà, et tout ça pour qu'il m'appelle, pour un message d'insulte pour l'un de ses derniers combats. On peut balancer, hein. Voilà, un message. Allez, tocard, viens me boxer, je te filerai 2000 balles. Voilà, je fais, c'est bien, tu auras fait 20 euros, puis tu as les primes pour lesquelles je boxe au minimum. C'est ça, t'as un tocard. Tout ça pour lui dire, moi, lui qui m'insultait évidemment, et moi toujours, je répondais poliment. Non, mais tu comprends pas, c'est pas comme ça qu'on marche, si tu veux. Je lui ai même proposé, si tu veux, on se boxe gratuitement pour une association. Et là, ça a de la gueule. Par contre, je viens pas boxer chez toi avec ton staff, ton truc, et te faire plaisir à toi. Terrain neutre pour une association. Malheureusement, c'est des messages Messenger qu'il a tout effacé, évidemment. Terrain neutre pour une association. Et là, je te prends et je te fais l'amour. Donc voilà, c'est terminé là-dessus. Et en réponse, j'ai eu 45 secondes de message vocal de ferme ta gueule. 45 secondes de ferme ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule. Donc, arrivé à un moment, je me suis dit, bon, on peut pas discuter avec lui, en fait. Voilà, non, c'est une personne. Il reste deux commentaires, après je reviens pour Brice, vite fait. Emilian, quand tu vois l'évolution médiatique de ton sport, as-tu quelques regrets, car à part les puristes, trop peu te connaissent malgré un gros palmarès? Non, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais, absolument pas. On en a parlé, il n'était pas là en début d'émission, attention. Parce que c'est ce que je disais, moi je préfère largement avoir fait ma carrière. J'aurais même préféré la faire un peu avant, à l'époque de Jérôme Le Banner, où en plus le K1, on avait vraiment des sous, on était vraiment au Japon. Il faut voir Jérôme comme c'est une star, c'est incroyable. C'est pire que Zinedine Zidane ici, quoi. C'est incroyable. Et j'aurais préféré justement être dans cette époque-là, parce que moi j'étais pile poil à la fin du K1. Et au début du Glory, etc., qui était beaucoup moins séduisant. Donc, je me suis retrouvé un peu dans le ventre mou des époques. C'est dommage. Mais j'ai absolument aucun regret à ne pas faire ma carrière maintenant. Et comme on le disait tout à l'heure, à devoir se prostituer sur les réseaux sociaux, à devoir avoir 50 000 abonnés, sinon le promoteur ne t'appelle pas, même si tu gagnes tout ce que tu fais. Donc voilà, moi je préfère largement l'époque de ma boxe. On n'avait pas de Facebook à l'époque, au début de mes combats, même pas de Facebook, rien du tout. Voilà, on te connaissait avec ton palmarès, avec Karaté Pugido, avec Eurosport à l'époque qui diffusait les combats et tout ça. Mais je préfère mille fois avoir fait carrière à ce moment-là. Et le top du top, ça aurait même été de faire ma carrière 10 ans avant. Voilà, j'aurais été comblé. Et j'avais une question en parlant de ça, parce qu'on parle de carrière. Quel est pour toi ton meilleur souvenir en tant que sportif, on va dire ça comme ça? Brice, il a préparé la question. Oui, bien sûr, mais... Tu as réfléchi, Najid. Je sais quand, je rigole. On l'a fait ensemble. Vous le savez, chaque combat, chaque victoire ou défaite, d'ailleurs, apporte ses lots de satisfaction. Voilà. Le combat dont on parlait tout à l'heure avec la naissance de ma fille et juste rentrer à temps pour couper le cordon et assister à l'accouchement, c'était formidable. Le titre de champion du monde en Thaïlande, dans les jardins, avec le peuple thaïlandais qui crie à chaque coup.
coup, c'était magnifique. Et les galas dont je parlais tout à l'heure, les galas que je regardais quand j'étais petit. Donc ça, c'était magnifique aussi. C'était un super souvenir avec l'équipe de France. Voilà, c'est pour moi, au niveau de la carrière, c'est pour moi le plus beau. Même si on l'a dit, je bats Turico, les gars du K1 et tout. Mais moi, les galas qui me faisaient rêver vraiment petit, c'était les galas de l'anniversaire de Roi sur Canal, là où j'ai gagné. Donc, j'étais vraiment heureux pour ça. Et sportivement, c'est mon plus beau souvenir. Humainement, ça va être le combat où je vais couper le cordon de ma fille derrière. D'accord. Ce qu'il a dit, Mohamed Jamaï, t'as laissé un message, c'est le meilleur cadeau, un KO. Et... C'était vraiment la soirée parfaite, le timing parfait. Notre question, on agite parce qu'on doit passer pour le futur combat qui aura lieu le 8 mai. Notre question ? Ouais, dernière, juste, est-ce que tu as un regret ? On va dire un seul, dans ta carrière sportive. Allez, 150 000 $ contre Saki, j'aurais pu. Non. C'est l'ensemble. Tu peux pas refaire une carrière. De toute façon, on le disait tout à l'heure, peut-être que si j'avais été plus réfléchi, j'aurais refusé ce combat contre Willis où j'y vais avec une main cassée. J'aurais attendu désolé les gars, j'ai la main cassée, fracture et radio à l'appui. Bon, bah voilà, tu boxes pas, j'y vais le combat d'après. Peut-être que le combat d'après, j'aurais gagné. Puis aujourd'hui, je serais resté dans le glory parce que du coup, j'aurais gagné et je serais en train de tirer la bourre avec Verhoeven. On peut pas savoir, on peut pas refaire la vie. Donc, on dit toujours qu'il faut pas avoir des regrets, mais des remords parce qu'au moins tu l'as fait. Ça s'applique exactement là. Ça a été le chemin de vie qui s'est fait comme ça. Je suis fier de ma carrière. Elle aurait pu être un peu mieux si j'avais été plus réfléchi. Elle aurait pu être pire si je m'étais moins entraîné. Il faut savoir que j'ai toujours été très sérieux à l'entraînement. Entre deux combats, je passais mon temps à m'entraîner. Le sport, c'était ma vie. Donc, j'étais toujours en train de jouer au foot avec les copains, de faire un tennis, des squash, jouer au squash, le rugby. Bref, je me suis toujours tenu prêt pour pouvoir justement aller au combat n'importe quand. Et c'est ce qui fait aussi ma particularité. Personnalité, ouais. Voilà. Pas de regrets. D'ailleurs, tu as un message, Brice. Demande de mariage. Ouais. Je suis heureux, madame à côté. Je vais te montrer le message. Yaya, salut à tous, c'est Jimmy Vienno, Brice Guidon. Je te soutiens pour ton combat, lui, mais on est ensemble. Voilà, c'était Jimmy. Ah bah super, ça fait plaisir. Jimmy qui a explosé aussi. Putain, le malheureux, c'est pareil, il ne peut pas beaucoup boxer en même temps en ce moment. Il y avait des super trucs de prévu avec l'Arena Fight, etc. Donc, il a fait son livre. Entre-temps, il a profité pour faire son livre. Ouais, et bah très bien. Bah d'ailleurs, livre que je vais acheter, feuilleter, et puis pourquoi pas partager à la salle pour les techniques de Muay Thai avec Jimmy Vienno, un grand champion qui a vraiment été précoce et qui explose bien et tout. Malheureusement, on a tous un coup d'arrêt en ce moment. C'est malheureux pour les gars, mais je suis sûr qu'il va revenir encore plus fort. Et pareil, c'est les gars aussi qu'il faut rêver les jeunes. Très belle éthique, très belle personnalité. Donc voilà, merci pour ce message et puis tout mon soutien. Très beau à voir en combat. Moi, ouais. Ah ouais, super, super, super. En Muay Thai, il s'exprime parfaitement et tout ça. Voilà, non, rien à dire. Mais c'est vrai que c'est très beau. Encore un message, Brice. Voilà, je vais le passer. Attends, je mets bien le son parce que je vais enlever les écouteurs et on va écouter le message de qui ? C'est qui, Najid ? Ali, c'est le petit Ali. C'est le petit Ali Farchi, le Tourangeau. La relève, j'espère. J'espère. Bah, c'est toi qui es derrière, pas nous. Hein. On va le présenter, mais bon. J'ai un message pour toi. Je t'envoie tout mon soutien pour ton prochain combat. Je t'envoie toute ma force également. Et j'en profite avec cette vidéo pour te dire félicitations pour ton parcours sportif. T'as un parcours sportif plus qu'admirable, surtout pour nous les boxeurs. Pour te dire que bah, on t'admirait déjà depuis bien avant que moi je t'admirais, bien avant que je commence la boxe. J'observais tes combats, je te suivais et c'est pour te remercier aussi également pour la personne que tu es aujourd'hui et pour le bel exemple que tu véhicules pour nous. Donc je te remercie. Merci Brice Guidon. Merci beaucoup et force. Voilà, c'était le message de Ali Falchi pour Brice. Oui, super, ça fait plaisir. Ben, Tourangeau, j'espère à qui on promet vraiment de grandes choses.
Ned s'en occupe beaucoup aussi. Il est toujours le play, toujours le bienvenu dans mon club pour faire un peu de pied-point, un peu de sparring. Voilà, il le sait, il est toujours le bienvenu. Et c'est pareil, tous un coup d'arrêt en ce moment, mais on va suivre les prochaines performances avec de près et en espérant que ça explose rapidement parce que malheureusement, je te dis, on est tous à l'affût là, à train d'attendre. Mais je suis sûr qu'il va faire parler de lui. Il est sérieux, il bosse bien. Il y a une bonne dynamique et tout, donc il n'y a aucun souci, il va faire parler de lui. Avant de passer à la deuxième partie de notre interview, il ne va pas durer trop longtemps, je vais faire un petit intro et on revient à la deuxième partie. De retour avec Brice Guidon, trois fois champion d'Europe, deux fois champion du monde, un palmarès extraordinaire. Il a boxé les meilleurs, il a battu les meilleurs également. Il avait plein de blessures, mais pourtant il montait sur un ring. C'est un vrai gladiateur. Et maintenant, il remonte le 8 mai. Voilà, tu remontes. Et contre qui? Contre ton idole, Ernesto. Ah. Voilà. Ah, c'est énorme. On dirait un rêve. On pouvait pas refuser, voilà, ça fait partie des combattants. Alors, j'ai pas idolâtré parce que j'ai jamais eu, justement, j'ai déjà dit, on a retrouvé des vieux interviews d'ailleurs avec Swat Sulaimani qui avait mis ces interviews où je disais déjà que j'avais pas d'idole parce que c'est pas ma personnalité d'idolâtrer quelqu'un. En revanche, j'avais énormément de respect pour le parcours accompli. Bah, ça a été le plus grand champion, c'est le seul quadruple vainqueur du K1. Donc, le Holyfield du pied-point. Oui, qui a un énorme palmarès, pas forcément le plus connu, mais un énorme palmarès. Bah, le plus gros palmarès, en tout cas de notre pied-point, c'est notre Tyson à nous au niveau du palmarès. Alors, pas aussi médiatisé évidemment, mais t'as Kader Marouf qui t'appelle, qui échange des messages, et ça te dit, évidemment, bien sûr que ça me dit. Moi, pour y retourner, il faut soit me proposer énormément d'argent, comme nos amis russes l'avaient fait avec Zabit Zamedov, soit un combat de fou comme ça. Alors après, évidemment, attention, et c'est plus le Ernesto qu'on a connu, hein, il a 50 ans passé, voilà, mais j'ai un copain qui me disait, moi je lui disais, on va faire, s'il arrive à futer, on va se déchirer, on va offrir le meilleur aux spectateurs, et surtout, on va se rentrer dedans, on va faire un beau combat, voilà, et j'ai dit tout de suite, moi si je vois qu'il n'est pas futé, qu'il est un petit peu en dessous, ce que je pense pas, parce que c'est quelqu'un pareil, qui a un mode de vie très sain, etc., et qui continue à s'entraîner, qui a son club, voilà, ouais, c'est ça, il a son club et tout, donc à mon avis, ça va vraiment donner. Si en revanche, je vois que je suis au-dessus parce qu'on avait un temps d'écart, parce que je bouge dans tous les sens et tout, mais évidemment que je vais le respecter et que je vais pas l'humilier. Et mon visage, imagine, c'est lui qui m'humilie. On verra bien, parce qu'on va l'avoir un petit peu. Mais dans tous les cas, par exemple, je dis, voilà, je le touche, il titube, je vais pas le terminer. L'inverse, à mon avis, voilà. Ça va rester sur les réseaux sociaux, ça. De toute façon, une fois, c'est ce que je disais, de toute façon, une fois qu'on est sur la ring, on réfléchit plus. Une fois sur la ring, ça boxe. Et j'espère qu'on va faire vraiment un super combat. Et moi, c'est un tel honneur d'être en face de lui. Voilà, tu étais prêt à faire un retour, Brit? Tu étais prêt à faire un retour comme ça? Non, ça aurait été n'importe quoi d'autre. J'aurais dit non. Là, Ernesto Houst, voilà, je suis obligé de dire oui, je suis obligé d'y aller. Dans une soirée comme ça, il va y avoir Jérôme. On va être avec Jérôme direct, il m'a appelé. Waouh, mon Brice, c'est super. Putain, on va être ensemble dans les vestiaires et tout ça, super. T'as Peter Hartz qui va être là, Rémi qui devait être là, mon ancien sparring partner aussi. Rémi, il devait être là. Bon, il peut pas, je pense qu'il va venir en spectateur. Il peut pas, je pense, avec ses yeux, il est forfait médical parce qu'il a des gros problèmes d'œil. Peter Hartz, avec qui j'ai passé des années d'entraînement aussi, on se connaît bien. Enfin, voilà, c'est juste avec contre Greg Tony, pareil, qui a marqué les pieds-points français. Donc, ça va juste être une soirée exceptionnelle. On me propose de faire partie de la fête, mais j'arrive en courant. C'est énorme ce qu'il fait, Kader, là, c'est énorme. C'est la folie de ramener des noms comme ça. On dirait que c'est au niveau du protocole sanitaire et tout, qu'on va pas devoir juste faire à huis clos avec un pay-per-view, tout ça. J'espère de tout cœur que le public va pouvoir venir. Moi, j'ai déjà 200 personnes pour les places, etc. D'ici mois de mai, oui, pourquoi pas, on verra bien. Ah ouais, on espère tous, évidemment, on espère. Meilleur pour ça, pour le mois de mai, ça devrait être là. Et c'est pas rien que pour la jauge. Je ne sais pas s'il aura le droit à 1500, 5000. Voilà, faut qu'on y croit. Et en tout cas, ça va être vraiment une soirée de feu. En tout cas, respect à Kader Marouf. C'est vraiment la soirée kiff. David, ce monsieur, parce qu'il a énormément de respect pour toi, pour te compter sur le plateau, et je pense que c'est une des soirées que tu vas pas oublier non plus. Ah ouais, c'est sûr, ça va être. Voilà, je te dis, on va être dans le même vestiaire avec Jérôme.
Ouais, je te dis, avec tous les, comme quand on était au Japon, avec les pitards, avec tous les coins des Néerlandais. Moi, du coup, ça va être dans mon coin, évidemment, je vais avoir mon entraîneur néerlandais, André Malarc, qui a boxé Ernesto Hoest il y a plus de 20 ans. Donc, ça va être super. Ça va être super, rien que de savoir que sur le ring, il y aura trois générations. Il y aura ma génération, la génération d'Ernesto Hoest, la génération de mon entraîneur, qui est encore un petit peu plus vieux, qui a passé les 60. Donc voilà, non, ça va être génial. J'ai hâte d'y D'ailleurs, être. c'est qui ton premier entraîneur, Brice? Bah, c'est mon regretté Stanislas Polo qui nous a quittés il y a quelques mois, malheureusement, qui a été mon premier entraîneur au Boxing Club La Riche. J'avais commencé avec les gamins, à La Riche, et Stan m'avait rapidement pris sous son aile. Ça va être un grand entraîneur. C'est grâce à lui aussi que je me suis lié de passion. Il m'a entraîné sérieusement, il m'a amené en championnat de France, etc. Et malheureusement, bah, tu vois, c'est toujours comme ça. Depuis que je suis rentré en France, je me dis, ah putain, j'appelle Stan. Je pensais toujours à appeler Stan, ah, des choses que tu n'as pas le temps de faire, que tu ne penses pas. Et puis bah, malheureusement, aujourd'hui, il est parti. Donc c'est pas maintenant que je vais l'appeler. Je m'en suis voulu. Et voilà, c'est la vie qui fait qu'on avance, etc. Et qu'on a plus toujours le temps de faire ce qu'on devrait. Mais voilà, donc c'est lui qui m'avait mis le pied à l'étrier, qui s'était vraiment occupé de moi. Et puis après, quand j'étais pas, il m'avait laissé partir complètement aux Pays-Bas, parce que moi, je voulais vraiment aller en faire mon métier. Et c'était, on n'avait pas la possibilité en Touraine. C'est ce que, voilà, quand tu veux vraiment percer tout, bah, tu pars là où sont les meilleurs. Moi, pour les poids lourds, les meilleurs étaient aux Pays-Bas, donc je suis parti. J'étais au Mejirogym avec André Manhart, Rémi Mouniaski, Rob Kaman qui venait de temps en temps, etc. Et puis après, quand je suis revenu en France, j'avais confiance à Nedjid pour le côté de la boxe anglaise. Moi, je mettais les gants toujours en pied-point, tout ça, et puis j'allais au Boxing Club des Fontaines, le El Bajja maintenant, pour mettre les gants, et puis travailler l'anglaise. Mais Comment tu prépares pour le combat du mai? Comment tu prépares? Comment ça se passe? je vois un préparateur. Les conditions maintenant. J'ai trois préparateurs physiques qui m'ont sollicité, enfin qui m'ont sollicité, qui m'ont demandé, ah, vas-y, super, on fait ta prépa et tout, ça va être un combat de foot, ça. Oh les gars, c'est un combat de retraité, ça va être une préparation de retraité, mais une préparation quand même, voilà. Mais en fait, ça va quand même être une bonne préparation. Du coup, j'ai choisi un préparateur physique, Adirabi, qui passe un DE, un DE sport, donc du coup qui va être qui sait tenir les pas hauts, qui est boxeur évidemment, a dit il boxe très bien, etc. Donc c'est super qu'il s'occupe de ma préparation, et bien on commence les tests lundi, toi. Lundi, on va faire des tests physiques, voir ce que ça donne. Et c'est surtout que je vais devoir me libérer du temps pour pouvoir m'entraîner correctement. Et le plus beau respect que je peux faire à Ernesto, c'est d'être à 100% sur le truc, parce que le respecter, lui montrer le respect, c'est d'être à fond. On sait jamais, il va te voir Rico, il va t'inviter pour une revanche ou peut-être le Glory, on ne sait jamais. Déjà, quand j'ai boxé Samedov en Russie il y a 2 ans, alors que c'est pareil, j'étais à la retraite, ça faisait 2 ans que j'avais pas boxé. Après, bon, quand je me suis à nouveau cassé le bras contre Cyril Gane, que pareil, dès le début, mon bras n'avait jamais ne s'était jamais réparé. Je le savais pas, j'avais pas passé de radio de contrôle, ce que j'aurais dû faire, mais j'avais peur de la mauvaise nouvelle, donc je ne l'avais pas fait. Et en fait, mon bras, il avait fait de la psoriasis. En fait, mes os, ils s'étaient pas soudés, ils étaient restés bord à bord. Donc dès le premier coup de tibia, bah ça a repété. Donc voilà. Donc ça m'a dit, j'ai eu une greffe osseuse derrière. Je dis bon bah c'est bon, le chirurgien m'a dit, voilà, si tu veux garder ton bras, on arrête. Et voilà. Donc c'est pour ça que ça avait précipité aussi la fin de carrière. Et derrière, les Russes m'appellent pour boxer Samedov. 2 ans que je suis pas monté sur le ring, pareil, etc. Mais c'est pareil, ils m'ont proposé vraiment, ils m'ont respecté. En me proposant, enfin, ils n'ont pas commencé très haut, mais à chaque fois que je disais non, ils rajoutaient 5 000. J'ai dit non un paquet de fois. Donc, au final, j'ai dit, bon, bah, ça serait idiot. Mon entraîneur me fait mépris, ça, t'es idiot de pas y aller. Allez, c'est un combat. On a fait des dizaines de comme ça. Et là, arrive un moment, ce sera l'une des plus belles primes de ta carrière. Bon, allez, vas-y, j'y vais. Et donc, du coup, on a fait une vraie prépa, une vraie belle prépa avec, justement, avec le bras, caché un petit peu le bras, etc. Et je fais un très bon combat contre Samedov qui, s'il se passe en terrain neutre, très franchement, on va au minimum à l'extra round. Là, ils me font perdre. De toute façon, c'était voilà, je suis chez lui, c'est ses juges, c'est Kadirov, c'est le dictateur tchétchène, Tchétchénie, voilà, c'est Kadirov qui remet la coupe, voilà, enfin bref, c'était impossible c'est de des faire vrais perdre. c'est des vrais fans c'est des Ah, non, ouais, vraiment, non. Et puis j'ai été très bien reçu, enfin tout s'est super bien passé. Donc voilà, en terrain neutre, je pense qu'il y a au moins un extra round. Mais bon, bref, on va pas refaire le combat. Mais derrière, j'avais quand même honoré, j'avais fait une belle prestation pour un mec à la retraite qui s'est appelé 3 semaines avant. Hein. On parle de 3 semaines de préparation alors que j'étais à la retraite. Donc c'est pareil, là, sur le réseau, les mecs qui étaient très. Non, mais c'est bon, tu y retournes, là, la revanche contre Tricot, elle est maintenant. Mais parce que voilà, et encore une fois, parce qu'eux m'ont respecté. D'ailleurs, comment s'est passé le combat? Comment s'est passé le combat contre Rico? Comment tu vois son évolution, par rapport à ce combat qui était en face de toi?
Ah bah ouais, moi j'ai eu assez. Il était lent. La grosse différence avec maintenant, c'est qu'il était lent. Il était beaucoup plus. Il était lourd. Il était en fin de croissance. Et déjà, il avait presque le même. Il était un peu plus fin, mais il faisait déjà 115 ou 117 kilos. Donc il était déjà volumineux. Mais je voyais tout arriver. C'est tout. Dès qu'il lançait la jambe, je le balayais 4-5 fois dans le combat. Parce que la différence avec aujourd'hui, c'est que maintenant il est explosif, il a gagné et travaillé en explosivité, son gros point faible de l'époque. Et le fait qu'il soit lent à l'époque m'a vraiment fait prendre un coup d'avance à chaque fois. Tu t'anticipais facilement. Maintenant, tu Voilà, penses c'est ça. qu'il a gagné de la vitesse. Ouais, bah oui, bien sûr, bien sûr. En technique, en mouvement, en déplacement, pareil, des axes beaucoup, ce qu'il ne faisait pas trop à l'époque, etc. À l'époque, c'était juste marche avant, alors que moi, justement, je désaxais un petit peu, etc. Donc, j'avais pris le dessus là-dessus. Et puis, surtout, la vitesse. La vitesse, il n'était pas assez rapide à l'époque. C'était ses premiers combats pro, etc. Son propre style en ce moment, son propre style qu'on voit les coups. C'est pas des coups spectaculaires, mais ils sont efficaces. Jambes, Ouais. jambes, jambes. Et je le trouve fou en anglais. Hein. Je le trouve très bon en anglais. Ah ouais, bah c'est l'un des rares combats d'ailleurs où il m'a impressionné parce que c'est pareil, souvent il gagne, pas poussivement, mais voilà, il fait juste ce qu'il faut pour gagner. Le combat qui m'a impressionné, je pense que c'est parce qu'il connaissait le mec, ils s'entraînent ensemble, etc. C'était contre Hugues Débouilly justement, où il fait un décalage, esquive, esquive direct du droit, il le met KO. Premier ou second, voilà, c'est vraiment le combat où il m'a impressionné. Je dis, ouais, là il mérite sa place de champion. Impeccable, parfait. En parlant pour ta préparation. Je tiens à te dire que j'ai un bon poids lourd pour toi. Pour Ah, les... ouais, je vais venir mettre les gants. Ah ben, je vais venir mettre les gants. Si Et on m'appelle. il est de ta taille en plus, c'est très bien. On va te mettre des photos, Brice. Tu vas nous dire ce que tu en penses. Là, tu dis un petit mot comme tu veux. Tu vas les commenter. Tu vas me dire. Voilà, première photo. Ah, Hugues, l'un des premiers champions du K1, une légende de karaté Kyokushinkai. Donc vraiment, moi je me suis mis au karaté après pareil, retour en Touraine avec Thomas Uznat au Team K37. Un plaisir d'avoir découvert ça. Et comme l'anglaise aux Fontaines avec Ned, malheureux de ne pas l'avoir trouvé avant, parce que moi quand je rentrais en France en pleine carrière, j'étais un peu en galère. Alors que finalement, si j'avais rencontré Thomas et Momo avant, j'aurais pu m'entraîner même quand j'étais en France correctement. Et c'est une super école, surtout que le karaté Kyokushinkai. Avec le kickbox hollandais, c'est la même chose. On a juste droit au coup de poing plus, mais en fait, ils ont appris le kickbox. Les Hollandais ont ramené le karaté Kyokushinkai du Japon et ils ont mis les coups de poing à la tête, grosso modo. Mais c'est la même. Quand je me suis retrouvé au dojo avec Thomas et que j'écoutais, je suis putain, mais en fait, je suis aux Pays-Bas. Et c'est exactement la même école. Donc, c'était vraiment familier pour moi. Les housses, c'est pour ça que moi, dans mon club, c'est pareil. C'est housses, alors que ça ne va pas être le salut thaï ou quoi que ce soit. C'est vraiment le housses. C'est comme ça que j'ai appris. Et finalement, c'est le Kyoku. Donc, je suis ravi de m'être mis au Kyoku. Hanyu était vraiment un beau pratiquant de Kyoku qui a gagné le K1 et qui était vraiment un super, super bel athlète. Malheureusement, il a été emporté par une leucémie assez rapidement. Mais voilà, il a laissé une trace indélébile dans le K1. Avec ses coups de jambes et tout. Deuxième image, Brice. Bah pareil, Sosio Oyama, le fondateur du Kokushinkai, bah, qui est une légende aussi, enfin, qui est simplement le boss, le fondateur. Et voilà, je dis encore une fois, bah, dès que tu t'entraînes dans un dojo, c'est sa salle c'est sa photo qui est en portrait. Et voilà, c'est un style que je regrette presque de pas avoir fait carrière aussi en Kyoku, parce que les mecs, c'est de ces bolins, bah, au K1, en fait, le K1, faut savoir que le K1 au Japon, il a été, par Master Reishi, il a été développé pour prôner la supériorité du karaté Kyokushinkai. Et malheureusement pour eux, ça marchait un peu les premières années. Et finalement, c'est les gars du Muay Thai et du kickboxing qui ont pris le dessus et qui ont gagné. Parce que le fait de pas avoir de coups de poing à la tête pour le Kyoku, c'était vraiment un problème pour eux. Ils étaient très forts, très endurants. Pas forcément les plus techniques. Et voilà, ça s'est terminé que les gars du K1, enfin du Kyoku, du kickboxing et du Muay Thai ont un peu pris le dessus. À l'origine, c'était vraiment fait pour démontrer la supériorité du Kyokushinkai. Parce que les mecs, c'est des bouts de bois. Encore une fois, je me suis entraîné avec Everton Teixeira et tout ça. Le mec, par exemple, tu vas en Thaïlande, avant de t'entraîner, tu vas courir 10 km, tu fais une demi-heure de corde. Ça, c'est juste avant de t'entraîner. C'est pour ça que les Thaïlandais, ils ont un cardio de fou de ça. Tu vas au Japon avec le Kyoku. Avant de t'entraîner, tu prends 50 middle dans le ventre, 50 coups de pied dans le ventre à droite, 50 coups de pied dans le ventre à gauche, des coups de pied sur les cuisses, etc. Et après, tu commences l'entraînement. Et c'est pareil, c'est la routine truc, c'est le renforcement du corps. C'est vraiment le renforcement du corps. C'est des guerriers à toute épreuve. Et voilà. Et alors après, techniquement, c'est pas les plus techniques. Et surtout, c'est pas les plus stratégiques. Ce qui manquait aussi pour le K1, parce que c'est 3 minutes. Un combat de Kyokushinkai. Après, il y a des prolongations, etc. Sinon, ça va à la casse.
mais sinon c'est 3 minutes. Ce qui fait que ça enlève un petit peu cette dimension stratégique. Ce qui m'aurait manqué, moi, si j'avais fait Kyoku, c'est que tu n'as pas le temps. C'est vraiment à celui qui a la plus grosse paire de cojones. Et voilà. Alors, par contre, ça c'est vraiment, c'est l'image, un pratiquant de Kyoku, c'est l'image du bonhomme. C'est vraiment, c'est l'image du bonhomme. C'est ce qui m'a plu aussi dans cette c'est une très belle discipline. C'est une très belle discipline, le Kyokushin. Ah, ouais. Najid, tu as une question? Non, j'écoutais. Vu que tu réfléchissais, tu préparais un truc. Il parlait de l'échauffement avec les PAO. J'ai vu, ça me fait, c'est une image qui m'était restée quand j'étais à Châteauroux avec lui. Et j'ai vu Jérôme lui taper avec les PAO dans les jambes avant qu'il monte. Ah, j'ai tendance à regarder. Ça m'a impressionné cette préparation que Jérôme lui faisait. Et lui, bon, je sais pas, mais il y allait de plein fouet. Hein. Mais il est monté sur le ring. Bon, ça n'a pas duré longtemps. Mais la façon qu'il l'a échauffé. Oh Seigneur, ça m'a marqué. C'était juste ce que je voulais dire parce que c'est vrai qu'il y a des images qui reviennent comme ça. Donc, dernière photo. Après, je vais faire en continu avec Brice encore quelques minutes. C'est le loup. Ah, Jérôme, le frère de guerre, Jérôme que j'ai partagé son quotidien pendant un moment. J'ai même habité chez lui pour l'entraîner, pour être son sparring et puis participer à ses entraînements, etc. Lui, je te dis. Il vient à la maison, il est déjà venu au SBC, à mon club de fondette où justement j'entraîne les jeunes. Donc il nous a fait l'honneur de venir. Normalement, il doit venir faire dès que la situation s'améliore. C'est pareil pour sa chaîne, le Banner TV, qui propose un contenu sympa comme tout et tout. Il m'a dit t'inquiète pas, je débarque, on fait un reportage sur le club et tout ça. Donc et puis le combat du 8 mai où on va être dans les vestiaires ensemble et tout, ça va être la fête quoi. Ça va vraiment être la fête. C'est pour ça que ça va être une fête cette soirée du 8 mai parce que je dis on retrouve tous les anciens et puis Jérôme que j'ai plus le temps de voir comme j'aurais voulu, on n'est pas voisins non plus, hein. On habite à 500 bornes, lui il est au Havre à 400-500 bornes les uns des autres, donc c'est pas facile de se voir dans nos agendas surbookés, donc là on va profiter de cette soirée du 8 mai avec j'espère qu'il y a conférence de presse et tout avant, qu'on se marre bien et voilà quoi, ça va être un honneur et un plaisir de le retrouver. Une dernière vidéo, un message. Bonjour à toutes et tous, je vous informe que le samedi. Salut Brice, Fred du Luxury Fight Gym de Tourcoing. Donc je fais ce petit message pour t'apporter de la force hein, pour le fight du 8 mai. Mais tu vas t'arrêter quand là? Will Nice, Verhoeven, là maintenant Ernesto Hoost, Mr. Perfect. Waouh, sacré fight. Hein. Mais comme on dit, hein, boxeur un jour, boxeur toujours. Peu importe l'âge, quand on l'a dans le cœur, on l'a pas ailleurs. Je te souhaite vraiment de la force. Reviens-nous avec la victoire. Et respect, mec. À bientôt. Voilà. Oh bah super, merci. Oui, c'est ça, boxeur un jour, boxeur toujours. Voilà, comme je disais tout à l'heure, soit on te propose des sommes vraiment alléchantes qui te permettent, c'est même pas pour l'argent, c'est juste que ça te permet d'y aller sans que ça te coûte de l'argent à toi. Et c'est un plaisir tout de suite d'y retourner. Et des soirées comme ça où on te propose la crème de la crème, t'es obligé d'y aller. Et donc voilà, c'est dans notre sens. Regarde Jérôme, 48 ans, il boxe encore. Il boxe encore pas parce qu'il en a besoin, il boxe encore parce qu'il aime ça, parce que c'est son équilibre. L'entraînement, s'entraîner tous les jours et tout, c'est son équilibre. Il va devenir fou, le pauvre Jérôme, qu'on va lui dire non, mais faut plus y aller, monsieur, vous êtes trop vieux. Donc, tant qu'il peut y aller, il y va. Et voilà, ça va être énorme cette soirée de se retrouver tous ensemble et tout. Et effectivement, alors moi j'ai que 35 ans, je pense l'un des plus jeunes de la soirée. Il y a Fred Sinistra, on peut être très très vieux non plus, mais je pense qu'on est vraiment dans les plus jeunes. Mais voilà, ça va être super cool. Parfait. De toute façon, on va avoir normalement avec Don Clovis, tu le connais, Don Clovis. Oui, bien sûr, on avait déjà dû échanger un peu. Donc Clovis, il va être le traducteur, il va faire la traduction entre nous et Peter Hart et Hoost, et on va voir comment il sera Hoost. Hein. Là, il est pas les deux sont pas en Hollande, on va s'organiser. Surtout, Peter Hart n'est pas en Hollande, Hoost, il y est, on va s'organiser, il va voir avant ton interview pour passer derrière, et ben on lui dit, écoute, on va traduire. T'inquiète, non, je déconne. Ça va être, en tout cas, c'est une chance d'avoir de vous voir monter sur le ring. C'est une chance d'avoir des légendes, des noms comme ça, des monstres du K1 kickboxing Muay Thai remonter sur un ring. Voilà, espérant que d'ici là, le public pourra. Oui, bien sûr. Voilà. Ouais, c'est ce qu'on souhaite tous, évidemment. C'est vraiment le souhait le plus cher pour la pratique de la boxe, pour tout, que nos salles puissent réouvrir, qu'on ne soit pas obligé de s'entraîner dehors, d'aller courir dehors, qu'on puisse faire des vraies belles mises de gants. Voilà, il y en a marre.
Après, voilà, c'est la situation qui veut ça. Malheureusement, on peut pas faire grand-chose pour contrecarrer ça. Il faut être patient pour le moment encore, mais ça commence à être un peu pesant, même pour nos associations, etc. Donc en espérant ouais, qu'on puisse rapidement s'entraîner et surtout que le public puisse venir assister à cette soirée magique. Ça leur fait du bien, en plus. C'est vrai que ça leur fait du bien. Ah oui, évidemment, bien sûr. Quand on voit l'élan qu'il y a pour cette soirée et tout ça, c'est parce que les gens, justement, ils veulent se faire plaisir. Et c'est beaucoup d'argent aussi. C'est beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement. C'est vrai. Et j'avais une dernière question, moi, concernant notre ville, la ville de Tours. Comment tu vois, en tant que toi, sportif de très haut niveau, si tu avais quelque chose à dire aux gens qui sont normalement susceptibles, comment te dire, t'expliquer ça pour éviter que ce soit bien compris. Est-ce que l'image du sportif ici, je te parle de sport de combat, est reconnue comme il se doit en Touraine ou pas? Non, bien sûr. Non, mais après, malheureusement, je crois que dans beaucoup de villes, c'est le cas, mais il y a certaines villes où ils font plus d'efforts que d'autres. Nous, en Touraine, c'est clair que je me rappelle pas, même après un titre de champion du monde, ça, je me rappelle pas avoir été invité à la mairie, ou là où, par exemple, Jimmy Vienno, il va être invité, Karim Gadjiamo, tout ça. Nous, voilà, on passe, si on a de la chance, il y a la NR qui passe un petit coup de fil pour recueillir les impressions. Mais voilà, c'est vrai que c'est pas évident. Toi, tu étais beaucoup plus au fait que moi, surtout avec ton investissement au quartier de Fontaine, donc je te félicite parce que vraiment, tout ce que tu fais pour le quartier, c'est formidable, et la salle et tout, c'est top. Il n'y a rien à dire là-dessus. Moi, je suis un petit peu à l'origine. Il faut se rappeler que je suis rural quand même. Donc, moi, je suis vraiment sur le côté campagne de Tours. Mais il en reste que Tours, c'est ma ville. C'est la ville la plus proche. C'est là où j'ai fait mes études, etc. Et c'est vrai qu'on n'est pas suivi, ou on n'est pas médiatisé, ou on n'est pas mis en avant comme dans d'autres villes, ils le feraient. Après, voilà, c'est parfois l'image des sports de combat. Et c'est regrettable parce que je pense que j'aurais pu mettre en avant les sports de combat sans être le bourrin de boxeur qu'on veut faire passer régulièrement. Ça aurait pu être justement un discours propre et posé. On aurait pu mettre en avant ça. Ils n'en ont pas profité. Voilà, mais malheureusement, oui, c'est clair que les sports de combat en Touraine ne sont pas mis en avant, clairement. Je pense que ce n'est pas une histoire de grandeur de ville. Moi, je vois Châteauroux, je vois dans les environs. Lorsqu'ils ont un sportif de haut niveau comme toi, ils utilisent ce sportif pour faire passer un message à la jeunesse. Et je pense que c'est le regret que moi, personnellement, j'ai en Touraine. Après, non, je suis entièrement d'accord avec toi. Après, le fait que ça a été un petit peu compliqué avec moi, c'est que je m'entraînais, et même j'habitais au début aux Pays-Bas. Donc les gens, même dans mes premiers galas, les gens m'annonçaient comme hollandais. Donc j'ai même boxé dans une réunion avec l'hymne hollandaise contre une équipe de France, l'hymne français. Putain, les gars, là, vous vous trompez. Mais voilà, c'était simplement un pays d'entraînement. Mais moi, je revenais en France dès que je pouvais, etc. Et puis après, j'ai eu mon premier club à Saint-Pierre-des-Corps juste pour pouvoir m'entraîner moi perso. Mais voilà, on ne dit pas que en Touraine, malheureusement. Je crois que c'est les sports de combat, ils souffrent toujours de cette étiquette aussi. On a peur de le mettre en avant. On associe ça toujours. Voilà, des valeurs qui sont pas, alors que justement, les valeurs du sport de combat, le courage, l'entraide, le dépassement de soi, c'est des valeurs qui sont à mettre en avant pour tout le monde. Et puis, il y avait cette histoire de mixité. Tu te souviens qu'on avait travaillé pour le titre mondial d'Angélique? Tu te souviens très bien, tu as participé à sa préparation. Et ça aussi, la fille a été championne du monde. Ah, bien sûr. C'est passé pratiquement inconnu. C'est bien. Et c'est dommage. Bien sûr, complètement. C'est clair que ça aurait gagné à être mis en avant. Et puis, c'est pareil, ça aurait pas fait. Le maire aurait pu le recevoir. C'est vrai qu'avoir des champions du monde dans sa ville et tout, c'est quand même pas rien. Malheureusement, ça n'avait pas été fait. Ouais, c'est dommage. Je trouve ça normal. Mais bon, après, chacun voit, comme on dit. Midi 50. On peut rester encore 6 heures avec Brice, pas de problème. Franchement, t'écoutais Brice, ça fait plaisir. Espérons te revoir encore avant l'événement pour savoir comment ça a été ta préparation. Bien sûr, super. Je vous le demandais, je vous donnerai des nouvelles. On se fera un petit live, si vous voulez, en fin de préparation pour vous dire comment je suis en forme et comment je vais boxer avec Ernesto. On remercie également Kader Marouf. Qui m'a permis de vous contacter par rapport à son gala, contacter Peter Hars, c'est gentil de sa part. Est-ce qu'il t'a dit s'il faisait, du coup, j'avais pas suivi, est-ce qu'il t'a dit s'il faisait un jubilé, s'il a reboxé? Ah ben oui, il va boxer Jean-Charles, je suis bête, il va boxer Jean-Charles, c'est pareil, ça va être. Va remonter sur lui. Oui, Kader,
Kader s'est acté. Il boxe Jean-Charles Skarbowski, qui ont été deux grands champions, qui se sont déjà boxés. Ça va être pareil. Ça va être super fun. Donc c'est pareil. Pour une fois, ça va être cool. C'est cool tout ça. Chez nous, Charles François et Sophie Mathis peuvent médiatiser. Mais c'est bon. Charles François, j'étais en même temps que lui en équipe de France. On se connaît bien, on est copains. En effet, il a été. Alors là, du coup, on a tous voté sur lui sur Internet pour qu'il a même été élu dans son département sportif de la décennie. Donc c'est pas rien. Par contre, est-ce qu'il va être médiatisé avec ça? Je sais pas. Mais en tout cas, je te dis, on avait voté, etc. pour le sportif de son département de la décennie, et il vient d'être élu sportif de la décennie. C'est quand même pas mal. C'est quoi s'il a boxé à Saint-Nazaire? C'est lui qui a boxé à Saint-Nazaire chez nous. C'est possible. Avec l'équipe nationale, avec à l'époque, comment dirais-je? Alouache. Et comment il s'appelle l'arbitre, le Marocain, l'arbitre qui a arbitré Raymond Dekker, c'est tout. Comment il s'appelait? Et c'est un ami de Nadir Alouache, c'est des amis les deux. Moumni, Abdel Moumni. Kouider. Ah, non, bien sûr, Kouider, j'ai oublié. Kouider, c'était son homme de coin pour mon championnat du monde, Kouider. Vu que c'était équipe de France, j'avais pas mon coin du Mégiro, et c'était mon homme de coin pour le championnat du monde. Et il m'a donné des conseils, justement, super. Il m'a dit boxe comme à la Kaman, avec les low kicks et tout ça. Des conseils vraiment propres, précis. Ça avait été génial. Et j'avais adoré boxer avec Kouider dans le coin. Ça avait été un super souvenir. Génial. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci, Brice, d'avoir accepté l'invitation, de jouer le jeu avec nous. On a fait 1h25. Voilà, on n'était pas trop loin des 45 minutes. T'as prévenu. On t'a prévenu que ça va durer un peu longtemps avec le public aussi qui a participé. Merci à vous tous. N'hésitez pas à liker, partager notre chaîne YouTube Boxing Mac TV. Et voilà, on vous donne rendez-vous encore une fois avec d'autres champions comme Peter Hart ou c'est d'autres champions Kamaya, que je vais les avoir. Et on revient et on continue à suivre la carrière, on va dire la deuxième carrière, le Félix Brice Guidon qui va remonter sur le ring. Et voilà, j'oublie jamais, tu as toujours joué le jeu avec moi. La première fois quand je t'ai filmé au stage, t'étais bien modeste, tranquille, humble. Ça fait plaisir. Souvent les boxeurs sont modestes. C'est différent, mais je ne vais pas critiquer d'autres disciplines, mais c'est facile de parler avec des grands champions comme Brice. La deuxième fois, tu as commenté le combat de Bad Hari chez Najid El Beja, quand c'était à distance, on a commenté, on a filmé. Après, j'ai filmé ta propre combat d'ailleurs, et ça fait plaisir. Ta fille a fait un montage avec et tout, ça fait encore plaisir. Voilà, et est-ce que tu as un dernier mot, Brice, avant de clôturer notre émission? Je remercie Nathalie aussi qui a joué le jeu avec moi et qui va revenir avec nous. Avec plaisir. Non. À toi, Brice. Pareil, oui, Badre, merci pour l'invitation. C'est pareil, ça fait toujours plaisir et c'est complètement normal de vous renvoyer l'ascenseur. Vous mettez de la lumière sur nos sports de combat qu'on montre peu. Donc c'est plutôt à nous de vous remercier. Nedjil, pareil, toujours dans les bons coups. Donc merci à toi. Et puis encore une fois, c'est à côté un énorme travail pour le quartier. Ça, c'est top. Ils peuvent vraiment te remercier de t'avoir. Et puis voilà, c'était un plaisir. Badre, tu sais que tu t'es le bienvenu. Dès que tu appelles, je répondrai. Il n'y a aucun souci. Merci, mon ami. Et moi, je t'attends. Comment on a... Je t'attends pour les sparring après. Oui, on va faire ça. Je passerai à Tours si tu te déplaces chez Najid, on ne sait jamais avec les conditions. Ouais, c'est pareil, mais bien sûr, on va y aller. On se déplacera à tes entraînements, on verra bien comment on peut s'organiser. Merci, deux fois champion du monde. Il va reboxer encore avec Ernest Rous le mois de mai, 8 mai. Allez, déplacez-vous nombreux pour ce gars-là. Ouais, super. Amis. À fond.